Okay, fantastic. Ah, ok. Pas tout qui est au code. And you can see my... Pardon, tu peux voir ma flèche là quand je... Pour Ouais. savoir. Ok, donc pour changer, c'est mieux que j'utilise ça. Ouais, comme ça, on voit. Ok, ça marche. Bon, je laisse l'écran partagé dès maintenant ou Oui. c'est mieux? Ok, donc je remets sur la diapo d'avant. Ok. Je vais juste enlever quand même Skype au cas où. C'est bon, là on voit que le PowerPoint toujours. Je mets juste Do not disturb, just in case. I'm too cautious now. Ok. Adia, c'est Fanta qui essaie de se connecter. Et qui ont du mal. Bonjour Marie. Bonjour, bonjour Sophie, ça va? Oui, ça va, merci. Ça va, ça va. Bonjour Marie, c'est Émilie. OK. On attend les autres. Hop, Marie est plus là. Et juste pour te dire, Amélie, quand tu es host maintenant, c'est que toi qui peux mettre les gens en mute. Ok, donc attends, je regarde, je sais que je peux voir les... Bonjour. Bonjour, c'est Abdias. Oui, c'est Abdias. On aurait du mal à se connecter là. Oui, ça va, oui. Mais tu veux dire, Sophie, pardon, qu'il faut appuyer sur Allow to talk when someone wants to talk? Non. Oui, c'est ça. Quand quelqu'un, aussi l'un des panélistes a laissé le micro ouvert, tu vois dans la liste participants si tu as ça. Ça, je vois pour panélistes, c'est possible de cliquer sur mute, mais pour attendees, you just have Ok. Ok. to On va là dans le question-réponse, inviter des participants à lever les mains s'ils veulent parler et comme ça sera à toi de faire allowed to talk. Et normalement, talk. ça va. Je Ok. te. Sophie? Oui. Oui, je suis de retour là, vous avez coupé. Je voulais juste une question sur hier. Nous, on ne peut pas voir les participants. T'arrives toi à aller voir qui c'est qui participe? Oui, vous voyez pas les attendis? Ben, on voit le nom, mais moi j'aimerais bien savoir qui a participé. Oui, bien sûr. J'ai une liste des gens qui sont confirmés. Je vais partager ça avec vous tous. Mais comme hier, il n'y avait pas d'enregistrement, on ne peut pas avoir toutes les informations, juste les gens qui sont confirmés. Mais là, on a demandé aux gens qu'ils enregistrent avant de se joindre parce que comme ça, on a pas seulement l'adresse mail et le nom, mais aussi les informations. Oui, j'avais l'impression dans les questions qu'on avait beaucoup de personnes du Congo, non, DRC, qui posaient pas mal de questions. Oui, exactement. On a quand même pris note de toutes les questions. Donc, ça, c'est bien. Je vois que, par contre, Fanta, elle est en mode de participant et pas de attendee.
Abias. Oui, ok, je vais vérifier, je vais partager avec elle encore. C'est que le contact que tu m'avais, les liens que tu m'avais partagé. Alors, je vais envoyer le lien à Fanta, comme ça elle peut se connecter. Oui. Hey. Hi. Bonjour. Bonjour, bonjour, désolé pour le petit retard. Je pense qu'on est presque là. Une minute parce que moi, je n'écoute pas très bien. Bonjour, Fanta. C'est bon, je viens de vous envoyer, de t'envoyer le lien. Donc, normalement, si tu utilises celle-là, Fanta, tu vas pouvoir connecter en tant que panéliste. Et je vois la question de Rivo. Bonjour Rivo. Bien sûr, on va partager les présentations après. Maintenant que nous avons vos adresses, même normalement par l'enregistrement. Ah, ouais. Je sais pas si c'est bon. Et Sophie, une petite clarification. Les questions d'hier, on attend demain ou on répond ça aujourd'hui? Je pense que si vous pouvez, parce qu'il y avait pas mal qui sont liés en fait avec le avec le contenu d'aujourd'hui. Donc, si vous pouvez éventuellement intégrer une réponse à la présentation, je pense que ça serait l'idéal. Marie, quand même, n'a pas vu les questions. Et s'il y a certains qui restent, oui, peut-être Abdias, tu peux nous orienter vers la fin pour voir s'il y a des questions un peu importantes qui restent, qui n'ont pas eu une réponse. Et l'idée, c'est aussi après, à la fin, de faire une consolidation de toutes les questions. Comme ça, on peut envoyer par écrit aussi une réponse. OK, d'accord. Donc, OK. Super. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour Fanta. Bonjour Fanta. Bonjour Fanta. Bonjour, Fanta. Nous allons attendre un peu pour les participants. Je pense que pour les panélistes, nous sommes là.
On va laisser juste peut-être un ou deux minutes de plus parce que je vois qu'il y a des participants qui arrivent. Bonjour tout le monde. On va donner juste une minute de plus et après nous allons commencer. Ok, je pense qu'on peut, on peut commencer là. Donc, bienvenue à tout le monde. Merci pour votre participation. Encore la deuxième séance sur la prise en charge de la malnutrition aiguë au niveau communautaire. Diapo, Émilie. Donc, comme vous le savez, il y avait deux objectifs pour ces deux sessions. Hier, on a essayé de couvrir un peu les stratégies et les expériences des pilotes, des partenaires. Et aujourd'hui, nous allons focaliser beaucoup plus sur le partage des outils et de coordination. Comme on est un groupe un peu plus restreint aujourd'hui, pendant le question-réponse, on va essayer de vous donner aussi le parole pour poser des questions. Diapo. Donc, avant de juste commencer, peut-être il y avait des gens qui ne pouvaient pas assister hier. Très vite fait, on voulait faire une petite synthèse des discussions d'hier. Donc, on avait commencé avec le contexte actuel COVID, y compris les guidances globales et les adaptations au niveau des pays par UNICEF. Et en fait, c'était pour montrer les impacts de la situation actuelle sur la nutrition, l'état nutritionnel des enfants dans la région, mais aussi sur les services et pour le côté socio-économique aussi. Et on a vu plusieurs guidances qui sont sorties au niveau global qui peuvent nous orienter dans notre réponse dans cette situation et aussi les adaptations au niveau de pays. On a bien vu que la prise en charge au niveau communautaire n'est pas forcément nouveau. C'est quelque chose que certains pays ont déjà expérimenté, qu'ils ont déjà piloté. Et donc, avec ces deux sessions, on essaie de bâtir sur les leçons apprises à travers ces expériences pour avoir une réponse à cette situation. La deuxième présentation faite par ACF avec la contribution de la cellule de la coordination de nutrition nous a rappelé sur la justification globale de l'approche de prise en charge au niveau communautaire. ACF, ils ont partagé leur approche d'opérationnalisation à travers une approche multibras. Ça veut dire génération d'évidence, plaidoyer et communication.
et ils ont noté que la coordination est vraiment clé pour la mise à l'échelle et la décentralisation est essentielle dans ce contexte de COVID-19, surtout parce que nous sommes en train de voir une baisse dans la fréquentation des services de santé, notamment des centres de santé. Troisièmement, grâce à IRC, on a entendu des expériences de Mali sur la prise en charge avec le protocole standard et le protocole simplifié dans plusieurs zones. Ils ont constaté qu'il y a une très bonne adhésion des communautés et aussi que les complications vis-à-vis le protocole standard et les simplifications que le protocole simplifié amène. Et une grande conclusion sur le fait qu'il faut renforcer le système des agents de santé communautaire, surtout dans ce contexte, dans cette période de COVID-19. Et finalement, on a entendu des questions de la présentation de Burkina Faso à Lima, qui sont opérationnels dans une zone d'insécurité. Il nous a partagé leur approche de formation des agents de santé à base communautaire sur l'approche simplifiée. Ils ont partagé qu'il y avait des retards aux causes de COVID-19, mais ils ont aussi partagé des adaptations des interventions. On a pris note de toutes les questions, on a peu répondu à certaines questions et on espère pouvoir répondre à d'autres questions là dans cette séance. Diapos. Donc, juste pour partager alors l'agenda d'aujourd'hui, nous allons tout d'abord entendre ACF qui vont nous partager leurs différents outils sur la prise en charge, après suivi par des questions. Et le deuxième bloc, ça sera IRC qui va présenter aussi les outils qu'ils ont utilisés au Mali et une présentation sur le boîte à outils développé au niveau global pour la prise en charge par les ASC dans ce contexte de COVID-19, suivi par des questions et finalement une conversation de clôture sur le cadre de coordination et accompagnement des partenaires. Donc, merci encore une fois pour votre participation et je passe à ACF pour un partage de leurs outils et leurs approches. OK. Et merci beaucoup et bonjour tout le monde. Moi, je suis Pilar Charlie. Je fais partie du département nutrition santé du ACF à Madrid. Et je suis la coordinatrice pour l'intervention d'ICCM. Donc, comme Sophie nous a présenté non, aujourd'hui, hier, on avait écouté quel est l'impact que le COVID il va y avoir, pas seulement en termes de malades ou bien de décès, mais aussi l'impact que cette COVID il va y avoir sur la malnutrition. Les enfants mal nourris et aussi la communauté. Aussi, on avait partagé les différentes expériences des agents de santé communautaire et comment la qualité et la performance de ces agents de santé communautaire c'est efficace pour soigner la malnutrition à vue. Donc aujourd'hui, ce qu'on va partager ici avec vous, c'est que vraiment la mise en échelle des agents de santé communautaire, c'est en réalité et c'était possible pour la lutte contre la malnutrition et le COVID pendant cette pandémie. Slide. Donc, on partait ici avec vous aussi, maintenant, quelques pays non, ou quelques contextes, il va commencer ou il va faire la mise en échelle de l'intervention. La première chose, c'est de savoir où est-ce qu'on peut ou comment est-ce qu'on peut identifier les sites qui sont plus prioritaires pour cela. Par exemple, si on pense à niveau du Sénégal, à niveau du pays, ce n'est pas possible que le pays il va commencer à niveau de toute la région à travailler avec les agents de santé communautaire. Donc, pour nous, selon la mise en échelle, la guide de mise en échelle que nous avons développée, il y a deux aspects. D'abord, la première chose, c'est d'identifier quelle est l'area de santé prioritaire là où on travaille avec les agents. Pour identifier cette area de santé, on doit collecter des informations quantitatives qui prennent en compte pas seulement la malnutrition, bien sûr, mais aussi des autres aspects de l'ICCM. Et on prend en compte et on doit avoir aussi la collecte des informations qualitatives à niveau du district. Et une fois qu'on identifie avec ça les districts ou l'area de santé,
il faut faire une analyse et un travail ensemble avec tous les acteurs qui sont au niveau du district, que ce soit les acteurs du ministère de la Santé, bien sûr, comme responsable de toutes les interventions liées à la santé des enfants, mais aussi des autres partenaires d'accompagnement, que ce soit les ONG internationales, les ONG nationales, et aussi tous les acteurs communautaires. Donc, slide. Ici, slide, oui. Je vous partage, je vous explique ici un peu de quoi il s'agit, les outils qu'on considère que sont vraiment nécessaires pour identifier d'abord l'area d'intervention où on va travailler. C'est-à-dire, il y a une politique à niveau du pays qui parle no, de l'ICCM, il y a une politique à niveau du pays qui parle aussi de la nutrition. Mais nous avons besoin de, d'abord, si dans cette area de santé, il y a un problème de malnutrition qui soit élevé, un taux de malnutrition aiguë qui soit élevé, et aussi une barrière d'accès géographique et économique à les structures de santé. Donc, ça, c'est la première chose que nous devons identifier pour dire qu'on doit commencer avec cette stratégie des agents de santé communautaire. À côté de cela, nous, on doit avoir aussi des éléments quantitatifs qui nous parlent de ces agents de santé communautaire. Ces agents de santé communautaire, ce n'est pas des ressources humaines qui sont isolées ou qui vont faire seulement la prise en charge de la malnutrition aiguë. Ils sont des ressources humaines qui sont déjà sur place et qui font le traitement des autres maladies. Donc, pour nous, on doit savoir vraiment est-ce que ces agents de santé communautaire, par exemple, quelle est sa formation, quel est le nombre de ménages ou de personnes qu'il doit suivre. Si on parle, par exemple, du système d'approvisionnement, comment est-ce que ces agents de santé communautaire ils se sont coordonnés avec les structures de santé, avec les centres de santé ou bien cas de santé rattachés pour s'approvisionner en entrant pour faire la prise en charge. Aussi, quelle est la motivation ou bien les salaires que ces agents ils vont recevoir. De la même manière, et c'est pour cela que je parlais des de piliers du système de santé, comment est-ce que le système les rapportage et les référents des malades, les rapportages de toutes les données, ça se passe dès les agents de santé communautaire jusqu'à les centres de santé. C'est-à-dire, pour nous identifier l'area d'intervention, d'abord on doit savoir et comprendre ce qu'est la main de la malnutrition et aussi de les agents de santé communautaire. Oui, slide. Merci. Et comme je disais, à côté de ces éléments quantitatifs, nous devons avoir aussi les informations qualitatives de ce qui se passe à niveau du terrain. Quand je parle des informations qualitatives, c'est d'avoir des entretiens avec les différents acteurs. On parle d'abord à niveau du district, est-ce qu'il y a un point focal de les soins de santé primaire avec lesquels on doit travailler. On va parler avec les points focaux de nutrition pour nous expliquer comment est-ce que ça marche, comment est-ce que c'est la relation de la prise en charge, comment est-ce que c'est le système d'approvisionnement. On doit avoir tous ces entretiens. Et en même temps, quand on arrive jusqu'à la communauté pour faire l'entretien avec l'agent de santé communautaire, on va en profiter pour évaluer et quel est le site ASC, quel est vraiment, comment est-ce que cet agent de santé communautaire il travaille, est-ce qu'il y a, il a les centrales, il y a les balances, il y a les moites, il y a les différents médicaments pour les autres maladies. Tout ça, comme je disais, on va identifier l'area de santé et après définir bien les rôles et responsabilités de chaque acteur et de chaque partie. Comme Sophie l'a dit dans l'introduction, cette intervention de l'agent de santé communautaire, il nous faut avoir beaucoup de coordination. Dès le niveau central, au niveau du district, on passe par les infirmières chefs de poste responsables du centre de santé qui va être les responsables de l'agent de santé communautaire et on doit définir avant de commencer tous les rôles et responsabilités de chaque partenaire. Slide. Une fois qu'avec ça, on a identifié l'area de santé prioritaire, comme je dis, ce n'est pas que toute la région du pays, on va commencer en même temps, il faut bien sûr former ces agents de santé communautaire. Donc, comme Dias lui l'a expliqué hier, nous, quand on a fait des différents travaux à niveau du pays, on a suivi la formation des protocole qu'il y avait à niveau du pays, c'est-à-dire on a formé pendant, par exemple, le cas du Mali, on a formé pendant 21 jours des agents de santé communautaire sur tous les paquets des actions de ICCM, et là, nous avons ajouté la prise en charge de la masse. Ou par exemple, comme le cas de Niger, comme le pays l'avait déjà formé ces agents de santé communautaire,
on a fait justement la formation PESIMA pendant 5 jours. Mais qu'est-ce qu'il y a maintenant? Maintenant, on a vraiment en urgence, comme on a bien défini hier, on a les problèmes de COVID qui va frapper notre communauté et il faut faire quelque chose de différent et quelque chose de plus rapide pour réussir à former ces agents de santé communautaire. Donc, nous, ce qu'on a défini, c'est une formation en cascade qui va faire d'abord la formation des formateurs et, bon, selon notre connaissance, dans la plupart des pays, et ces formations, ces agents de santé communautaire sont rattachés au niveau du centre de santé, du CESCOM, du CCI. Donc, on va former 16 infirmières qui potentiellement seront les formateurs des agents de santé communautaire. Une fois qu'on va former ces formateurs sur place, ils vont faire une formation théorique et pratique des agents de santé communautaire. Comme je dis au début, nous avons besoin de faire ce type de formation d'abord parce que nous sommes dans l'urgence, donc il faut aller plus rapidement que dans une situation normale. Et deuxième point, parce que avec cette situation de COVID, on peut se confronter à la réalité de que ce n'est pas possible de il peut avoir des restrictions de mouvement qui fait impossible une formation sur place de 20 ou de 30 personnes. Slide. Un peu plus de détails sur cette formation. Donc, comme je dis, le matériel qu'on a travaillé se base d'abord sur les protocoles PESIMA du 4 pays, notamment le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal. Donc, on a inclus dans cette formation les protocoles PESIMA. Mais bien sûr, on a adapté et slide, parce que je pense qu'il reste là-bas. Bon, sinon, non, pardon. On peut rentrer là-bas, oui. Bon, ça, on ne peut pas regarder là-bas, mais sinon, je vais expliquer. On a adapté ce protocole PESIMA à la situation que nous avons maintenant, c'est-à-dire la situation du COVID. Et par exemple, il y a les premiers modules, là où on a parlé des signes de danger. Et ces signes de danger, l'exploration des signes de danger, que comme on est tous d'accord, c'est la partie plus importante de la prise en charge de la masse, non de la prise en charge de la masse, plutôt d'identifier l'enfant malade à niveau communautaire, on a adapté à la situation du COVID. C'est-à-dire, on a expliqué comme l'agent de santé communautaire, il doit avoir ce distanciement avec la maman, au lieu de, par exemple, le palais au palmar, non, à cause de l'anémie, au lieu de mettre la main de l'agent de santé communautaire à côté de l'enfant, ça sera la mère qui va faire. On va demander à la mère d'enlever aussi les t-shirts pour compter les mouvements respiratoires. Donc, on a adapté cette guide. Il y a une petite partie qui est adaptée à la situation du COVID et aussi une petite partie qui est adaptée à la situation du protocole et de l'approche simplifiée. Pourquoi? Parce que la réalité maintenant, c'est qu'on doit, comme je dis, aller rapidement avec la formation, mais peut-être d'ici à un mois ou deux mois, ou 15 jours, chaque pays il peut adapter cette approche simplifiée. Donc, on doit aussi pouvoir former ces agents avec cette partie. Voilà, donc en bref, c'est ça. On va d'abord former ces formateurs et ces formateurs sur place vont former à ces agents de santé communautaire. Slide. Quelle est l'autre partie qu'on devrait partager aujourd'hui ici entre nous? Et c'est bien sûr les outils et la collecte des données, non? On va faire en échelle, en stratégie, que c'est un peu nouveau et nous avons besoin de suivre et de savoir qu'est-ce qui se passe avec cette intervention. Et nous avons défini, comme vous pouvez voir là-bas, les différents questionnaires sur COVO. Et l'information que nous avons mis là-bas, c'est même l'information qui est suivie à niveau des actions PESIMA à niveau du pays. C'est-à-dire, nous avons un questionnaire qui va suivre les activités d'ICCM. Et là-bas, on va collecter surtout la partie des morbidités, des différentes maladies et aussi de la malnutrition aiguë. Bien sûr, les rapports mensuels d'activité à niveau de chaque pays est beaucoup plus long, mais nous, on a décidé d'avoir le minimum qui nous permettrait de faire un suivi de ces actions. Ça arrive la même chose avec le suivi des enfants minces. On va collecter des informations qui normalement sont déjà collectées par chaque pays, chaque centre de santé avec la feuille de suivi des enfants MAS et on va faire les analyses de toutes ces variables. Slide. Et je me concentrer parmi tous ces outils qu'on a développés de les suivis des enfants MAS de l'ICCM, il y a aussi un questionnaire qu'on va utiliser pour les supervisions parce qu'on dit toujours que cette partie de la supervision, c'est les parties les plus importantes pour cette stratégie. Donc, cette grille de supervision,
on a pris en compte les différents grilles de supervision de PESIMA à niveau du pays et aussi les supervisions des soins essentiels communautaires à niveau des pays. Mais de la même manière, comme nous sommes dans cette situation en paix d'urgence, on va juste collecter les minimums pour faire un suivi de la qualité de ce que cet agent de santé communautaire il est en train de faire. Donc, parmi tous ces grilles, on va juste avoir quelques questions pour évaluer est-ce que le site ASC, il a les balances, les moires, il a les dispositifs de lavage des mains, mais non, bien sûr, il a toutes les mesures de protection pour les COVID. Et une deuxième partie, que ça sera l'observation à la tâche de l'agent de santé communautaire pour pouvoir évaluer la qualité de performance de ces agents de santé communautaire. Slide. Mais aussi, ce qu'on aimerait partager avec vous est si, malheureusement, la situation à cause du COVID c'est pire dans quelques contextes là où on va travailler et les restrictions de mouvement, il fait impossible cette supervision, on considère toujours qu'il y a des choses qu'on peut avoir et qu'on peut faire pour assurer cette qualité à niveau du terrain. Donc, il y a plusieurs plateformes qui, maintenant, avec les applications mobiles, ils peuvent vraiment nous soutenir sur cette partie de la supervision. Nous, par exemple, on explique là-bas comment il y a les services gratuits que ces agents de santé communautaire peuvent utiliser pour la notification des cas, c'est-à-dire combien d'enfants avec malnutrition j'ai vu chez moi, combien d'enfants guéris, combien de décès. Donc, avec cette information, ça va permettre déjà à niveau du ministère de la Santé et à niveau des partenaires de l'ONG évaluer quelle est la qualité de cet agent de santé communautaire. Et en même temps, on peut faire la notification des cas, de tous les cas de COVID. Ou de COVID, selon la définition des cas suspects ou cas confirmés que le pays va donner. Donc, tout ces outils, que bien sûr, cette information, c'est disponible en même temps, on peut faire la cartographie, et c'est en même temps qui est disponible pour tous les partenaires et pour le ministère de la Santé. Slide. Cette partie déjà pour compiler un peu les différents outils qu'on vient de partager avec vous, bien sûr, nous sommes un peu obligés de voir quels sont les indicateurs de cette intervention. Non? On ne peut pas faire les choses d'une manière, c'est vrai qu'il faut aller vite, mais il faut faire ça avec les plus qualités, avec une bonne qualité, non? Pour assurer surtout la santé de ces enfants. Et on a là les différents indicateurs que nous avons suivis, que c'est un peu tout ça qu'on vient d'expliquer. Non? Quel est le pourcentage de ces agents qui ont reçu en supervision, qui ont reçu cette formation? Comme j'ai dit, cette partie de la coordination que Sophie l'a marqué aussi à niveau de la présentation, est-ce que cet agent de santé communautaire, il fait des réunions avec les relais communautaires, avec le groupe Monde des Femmes, non? Il doit avoir vraiment cette intégration de l'agent à niveau communautaire et après cette intégration de l'agent à niveau du système de santé, non? Cet agent de santé communautaire doit avoir cette réunion à niveau du centre de santé pour vraiment être intégré à niveau du système. Bien sûr, le suivi des entrants, qu'on a beaucoup parlé hier, il faut vraiment suivre si ces agents ont la disponibilité ou pas. Slide. On continue avec les indicateurs, et ici c'est les indicateurs plutôt de la prise en charge. Le minimum, ça sera de savoir qui sont les nouveaux cas de les différentes maladies. Surtout, on parle de la malnutrition, mais aussi de les diarrhées, les palus. Est-ce qu'il y a plus de infections respiratoires maintenant à cause de COVID, oui ou pas? Et après, avec tous les outils qu'on a partagés, de les suivis de les enfants mas, de les supervisions et tout ça, on sera capable aussi de collecter cet indicateur de la prise en charge de la malnutrition. Slide. Et déjà, pour finaliser avec ma présentation, on a les défis qu'on a beaucoup parlé hier, de quels sont les défis, et vraiment maintenant, pendant la situation du COVID, on continue à dire non, qu'on doit assurer le système d'approvisionnement à niveau décentralisé. C'est-à-dire ça, et qui ça soit à niveau du centre de santé, mais encore beaucoup plus préoccupant à niveau de la communauté, il faut assurer vraiment cet approvisionnement pour pouvoir soigner les enfants. La motivation, et comme j'ai dit, on a déjà remarqué quelles sont les mesures de protection que ces agents ont vraiment pour se protéger de la maladie. Et comme recommandation, vous pouvez lire là, mais pour moi, la recommandation, si je dois donner seulement une recommandation, c'est que vraiment, on doit accélérer la mise en échelle du traitement de la malnutrition avec les agents de santé communautaire. Slide.
Voilà, et en bref, ça qu'on avait prévu de partager aujourd'hui ici dans ce webinaire. Et nous, en tant qu'ACF, on est convaincus que si vraiment tous les partenaires que nous sommes aujourd'hui ici, on est capable de travailler ensemble avec les agents de santé communautaire, on pourra diminuer l'impact que le COVID il va avoir sur nos enfants malnutris. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pilar, pour cette présentation très détaillée, très spécifique. Je vois qu'il y a une question de Cyril. On va répondre à ça, mais entre-temps, si des participants, vous avez une question, vous pouvez lever la main et comme ça, on peut entendre directement de vous des questions. Donc, s'il y a des participants qui n'ont pas écrit les questions, mais qui sont intéressés à poser quelque chose, merci de lever la main. Donc, la question que nous avons ici, Pilar, c'est sur le en fait, Cyril nous partage une expérience de Burkina ou l'expérience de Burkina où les régions sont vraiment en insécurité et les centres de santé sont fermés. Comment est-ce qu'on peut assurer le suivi? Donc, vous avez déjà parlé de quelques mécanismes de suivi avec des téléphones, avec plusieurs autres outils. Est-ce que tu pourrais élargir un peu là-dessus et peut-être partager dans quelques zones de forte insécurité les expériences d'ACF pour le suivi? Ok. Oui, merci Sophie. Et merci aussi pour les questions. Bon, oui, tout d'abord, je vais élargir un peu plus, c'est ça que je présentais de la supervision, parce que c'est vrai que partout, non, dans les différents groupes de travail, non, même Sophie qui a travaillé dans les groupes de travail qui est là, la partie de la supervision, c'est toujours la problématique qu'on trouve partout. Que ce soit, non, comme on dit, pour la situation de sécurité, que ce soit pour la situation vraiment d'accessibilité géographique, mais ça, c'est un problème capital. Et nous, on a beaucoup réfléchi ensemble sur ça. Et c'est vrai que la seule manière, ou une des manières que nous avons trouvé pour ça, c'est cette nouvelle technologie qui, à notre niveau, on pense que ça va nous aider beaucoup et que vraiment il faut s'appuyer sur cette nouvelle technologie. Et pourquoi? Parce que de quoi il s'agit de ça, non? Cette partie spécifique de les applications mobiles. Il y a un téléphone gratuit que les agents de santé communautaire, ils peuvent appeler pour donner ces informations. Et cette information que les agents de santé communautaire, ils vont transmettre en même temps, c'est-à-dire à temps réel, ça va être, cette information s'est partagée à niveau, je dis, des partenaires, mais c'est de tous les comités qui est formé à niveau du pays. Donc, quand on met en place ce système, ce n'est pas que, par exemple, ACF ou si c'est IRC qui va travailler ou si c'est Alima qui va travailler avec cette entreprise, les données sont pour Alima ou pour ACF. Non. Ça, c'est un comité à niveau du pays qui va décider quelles sont les données qu'il faut être collectées. Et comme j'ai dit, en même temps, c'est tout le monde qui va avoir et qui peut avoir cette cartographie de où est-ce qu'il y a plus de cas, moins de cas, moins de décès, plus d'abandon. De quelque manière, ça nous donne déjà un peu quelle est la qualité de cet agent de santé communautaire. En plus, et je n'ai pas voulu parler de beaucoup de choses parce que je ne savais pas s'il y avait du temps, mais avec cette même nouvelle application, il y a un soit de formation en remote. C'est-à-dire, si on a vu qu'il y a une faiblesse en termes d'abandon ou il y a une faiblesse d'une autre chose, on va définir le contenu de cette formation. Et de la même manière que cet agent de santé communautaire va appeler à un téléphone gratuit, il va écouter cette formation et quelles sont les choses qu'il doit rappeler pour faire la prise en charge. Donc, nous, à notre niveau, c'était ça qu'on a trouvé. C'était ça qu'on aimera vraiment de commencer à utiliser. Moi, c'est vrai, je ne connais pas la réalité de Burkina. Donc, mais hier, avec les explications de les collègues de Alima, c'est vrai que c'est une situation vraiment critique. Et je pense qu'on pourra proposer cette moyen de supervision. Ce n'est pas parfait, bien sûr, c'est mieux de parler à une personne face à face, mais ça te donne déjà l'espoir et le pouvoir de pouvoir aider, non? De pouvoir faire le support de ces agents de santé communautaire. Et déjà, pour répondre à ta question rapide, Sophie, nous, en tant qu'ACF, jusqu'à cette année,
on n'avait pas travaillé sur les contextes d'urgence. C'était juste cette année qu'on a en cours des études à niveau d'Ngikmi, de Difa, non, en Niger, le nord de Mali, aussi à Gao, et la crise à niveau du Sénégal. Donc, pour avoir, nous, les résultats de cette situation d'insécurité, bon, on doit attendre à notre travail de cette année à Difa et à Gao. Merci beaucoup, Piluka. Je vois que Christian aimerait poser la question. Emily, est-ce que tu peux aider à donner la parole à Christian? Oui, bien sûr. Je cherche Christian Tande. Oui. C'est possible? Oui, mais je ne le vois plus dans la liste des participants. Il est tout en haut. Il est en fait, c'est le genre. Ah oui. Merci. Voilà. Merci, Amélie. OK, bon, Christian. Allô, bonjour tout le monde. Bonjour, chers collègues. C'est Christian Tendin, UNICEF Mauritanie. Donc, merci beaucoup pour ce webinaire depuis hier que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt, avec l'ensemble de nos collègues partenaires au niveau de la Mauritanie. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur les différents outils de monitoring. Donc, je voudrais partager effectivement ici au niveau de la Mauritanie, nous appuyons cette approche, ces différentes approches communautaires avec nos différents partenaires que vous êtes ACF et d'autres ONG. Et présentement, un des outils de monitoring que nous avons eu à mettre en place depuis 2018-2019 maintenant, et cette année nous sommes en train de passer à l'échelle progressivement. Donc c'est le suivi par une plateforme que nous appelons très souvent Rapid Pro, que nous avons pu assurer le paiement et que les agents font des messages. C'est juste un message téléphonique qui arrive du terrain, qui permet de suivre non seulement l'origine des cas de malnutrition aiguë, mais aussi ces différents indicateurs que vous allez souligner peut-être tracés à travers cette plateforme. Et présentement, cette année, nous sommes en train de lier cette plateforme, qui est une plateforme de collecte et qui fait moins de traitements. On veut la lier avec la plateforme nationale, qui est le DHSI2. Donc, beaucoup de pays ont cette plateforme de DHSI2 qui permet de faire des traitements de données. Donc, je pense que la liaison de cette plateforme de collecte plus la plateforme de traitement de données permettra d'améliorer cette supervision, ce suivi à distance. Donc, c'est dans ce sens que nous sommes présentement en train de le mettre en œuvre avec... dans le cadre de la réponse au COVID, à travers la veille communautaire. Et j'ai bien compris le fait d'avoir associé la veille communautaire à travers le signalement des cas suspects, des cas COVID, et en même temps de continuer à délivrer le service. Maintenant, mon inquiétude, c'est au niveau des indicateurs pour au niveau communautaire. Donc, j'ai vu qu'il y avait un des indicateurs qui parle de salaire de l'ASC. Donc, ici, au niveau de la Mauritanie, comme depuis hier, vous l'avez vu, nous sommes plus souvent à une dynamique de motivation, de motivation pas individuelle, mais de motivation du comité qui tourne autour de ces unités de santé de base. Que l'unité de santé de base ne soit pas une affaire d'une seule personne, mais une affaire d'un comité. Donc, et ce comité est motivé à travers l'appui que nous apportons pour la production vivrière et aussi l'AGER. Donc moi, ma grande question, c'est de voir est-ce que un indicateur sur la fonctionnalité de ces unités de santé de base ou un cadre de santé ne peut pas être posé. Parce que lorsqu'il fonctionne avec un comité, cela permet vraiment de pouvoir s'assurer que la communauté va continuer à prendre à bras le corps les problèmes de la prise en charge et de la prévention. Parce que c'est pas un problème d'un individu, mais c'est plutôt un problème d'une communauté. Et il faudra qu'on s'assure que le comité autour de l'ASC fonctionne
à travers un indicateur bien déterminé, soit le nombre de réunions tenues, le nombre d'activités qu'ils ont eu à mener ensemble, eux aussi, ils en sont. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christian. Merci. Oui, Pilar. Oui, merci. En fait, vraiment, merci, merci beaucoup de l'apportation et de les choses que vous venez d'expliquer. D'abord, vous avez expliqué une partie que j'avais prévu de parler et c'est vraiment très important. Donc, merci cette partie de l'EHS2, comme vous disiez, non? C'est ça le système qui marche dans la plupart des ministères, non? Ça, dans la plupart des pays, là, il y a un travail, c'est en cours déjà ce système qui marche très bien. Et comme vous venez de dire, même on a fait cette même expérience au niveau du Mali. Je me rappelle que les deux dernières deux années, et il n'y avait pas ce travail de les agents de santé communautaire au niveau de l'EDHS2 et ça a été déjà intégré. C'est quelque chose vraiment très, très positif parce que sinon, c'est pas visible, non? C'est pas visible tout ce travail que l'agent de santé communautaire fait. On met ensemble le travail de l'agent de santé communautaire à niveau des centres de santé ou bien les postes de castres de santé rattachés, mais avec, comme vous venez de dire, d'intégrer dans les DHS, c'est ça vraiment pour laquelle, c'est ça vraiment ce qu'on devrait aller, non? De comment mettre toute cette information et c'est déjà fait dans quelques pays. Donc, ça, c'est très positif. Et après, cette partie des salaires que vous avez dit, en fait, je ne me rappelle pas exactement de la diapo, mais sinon, normalement, on parlait toujours, comme vous venez de dire, des salaires ou bien motivation de ces agents de santé communautaire. Comme tu as très bien expliqué, il y a vraiment de très belles, non, et travail que ça a été fait au niveau de Guidimaka, non, et au niveau à la Mauritanie, non, ensemble les différents partenaires, UNICEF, comme vous disiez, ACF et aussi, et les autorités, le ministère, de ces AGR qui vraiment, selon ce que je connais de nos équipes du terrain, ça continue à marcher. Donc, c'est-à-dire, et je pense que ça, c'est une chose que nous, on dit de le travail de l'intervention des agents de santé communautaire, et qu'Abdias, il a répété pas mal de fois hier, que nous devons adapter cette intervention à la réalité de chaque contexte. Donc, merci beaucoup pour l'intervention. Merci Pilar pour la réponse. On va juste prendre deux dernières questions avant d'avancer à la présentation de IRC. Je prends deux questions qui sont venues du chat et après à Djibril qui avait son main levée. Donc, la première question de Najita et aussi de Ali, c'est en termes de connexion de téléphone, des problématiques qu'on se trouve en fait avec le réseau. Est-ce que ACF, en tant qu'ACF, vous avez vécu des complications vraiment liées au fonctionnement en fait de ces interventions, de ces technologies? Ok, juste pour exprimer, c'est une technologie que nous on va adapter pour cette situation du Covid. C'est-à-dire hier quand on a présenté les différentes interventions qu'on a fait dans les quatre contextes du pays, on n'a pas été besoin jusqu'à maintenant d'utiliser cette intervention de la supervision à distance parce qu'on était dans le contexte qu'il n'avait pas les problèmes de sécurité, comme le cas de Burkina. Donc, nous, que ce soit au niveau de Niger, à Mayaï, à Guidimaka ou au Mali, on a été capable de faire la supervision sur place. C'est-à-dire, on accompagnait cette infirmière de chef de poste ou de chef de centre de santé au niveau de les ITAC. Cette solution de les applications mobiles, on l'a retrouvé, on a vu que c'est déjà en cours dans des différents pays, surtout à la Nigeria et Burundi, si je ne me trompe pas, il y a déjà cette méthodologie qui est sur place. Et c'est ça que nous avons décidé pour trouver une solution à la crise du COVID qui vient maintenant. Donc, espérons vraiment d'avoir, on a mis déjà sur quelques propales et espérons de pouvoir mettre ça en place. Mais on n'a pas, je ne peux pas encore partager l'expérience parce que c'est la première fois maintenant pendant le COVID qu'on va l'utiliser. Ok, merci Piluka. Et peut-être ça sera quelque chose à documenter aussi au cas où il y a des soucis. Djibril, Emily, est-ce que tu pourrais donner la parole à Djibril? Je suis avec grand intérêt les outils, mais je trouve que aujourd'hui, là où on est, il faut qu'on apprécie fortement la contribution des ASC et surtout ce qu'ils peuvent apporter.
Et de ce fait, dans l'expérience du Mali, les bénévolats, on l'a fait, et à un moment donné, on a vu que ça ne favorise pas la pérennité de cette approche. Et avec les autres projets, on est parti avec la stratégie SEC jusqu'à maintenant, une politique. Et nous pensons fortement que leur contribution et la valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter aujourd'hui à l'institution peut être très salutaire. Et je me réjouis aussi qu'aujourd'hui, on peut créer, comme on a créé dans le bloc COVID, on peut créer un bloc pour la prise en charge des cas. Et de ce fait, quand le malade rentre seulement, il est saisi avec un code, il est suivi, et même les cas de récidive, les taux de décès, tout, les choses peuvent aller facilement avec la plateforme DHS2, et y compris la prise en charge alimentaire des accompagnants qui souvent nous posent pour maintenir les enfants. Voici, je pense que si aujourd'hui nous voulons aller loin et avec le dispositif actuel de suivi et évaluation, il est autant utile de penser à créer ce bloc, surtout au Mali où vraiment les compétences existent et surtout on peut faire avancer ce dialogue avec les partenaires pour qu'on puisse aller loin. Il sera utile de faire de telle sorte qu'avec une tablette et un téléphone, que ces agents de santé puissent nous renseigner la totalité. Et ça, vous allez voir qu'avec ces algorithmes qu'on les a donnés pour les protocoles simplifiés, vous allez voir que la contribution va être extraordinaire. Et ça va les valoriser, ça va permettre de faire aussi des plaidoyers pour leur intégration dans le système de santé de manière définitive. Parce que ça fait plus de 20 ans dans mon pays, on est en train de courir entre 25 et 30% des nouveaux cas par habitant par an. Et je pense qu'aujourd'hui, les CESCOM, après plus de 30 ans de mise en œuvre, nous montrent leurs limites. Il faut qu'on essaie d'amener le système de santé un peu plus en avant, plus proche des communautés, afin que nous puissions avoir le retour de l'investissement qu'on nous souhaitons avec ce système de santé. Voici. Et la nutrition peut être une porte d'entrée pour tous ces éléments, avec les ASC qui doivent être multi-acteurs, multisectoriels, avec des compétences multiples, surtout très utiles aujourd'hui en négociation efficace à la recherche de contrats, parce que nous devons beaucoup s'adresser à des comportements que nous devons dès maintenant les outils dans ce sens. Voici ce que je voulais dire. Merci encore une fois pour votre ordre. Merci. Merci beaucoup, Djibril. Puis le cas des dernières réflexions avant de passer. Bon, et finalement, ça a été tout dit, non? Et je pense que Djibril, vous connaissez beaucoup plus mieux, non, que la réalité du Mali. Je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est un émirat et les personnes qui travaillent, comme vous dites, non, depuis des années sur les soins essentiels à niveau communautaire, sur la santé publique, sur la communauté. On est tous d'accord vraiment, non? Même Fanta, il a commencé hier les webinaires avec ça. On est vraiment tous d'accord que ce travail assez important qu'ils font pour la santé de nos enfants, pas seulement la nutrition, pour la santé de notre communauté. Et je suis tout à fait d'accord qu'il faut bien valoriser ça. Et comme vous venez de dire, adapter à chaque contexte. Le Mali est un pays complètement capable de tout ça que vous venez d'expliquer beaucoup plus mieux que moi. Donc, il faut y aller. Et espérons, et déjà la dernière réflexion, j'ai fini, déjà que nous sommes beaucoup de partenaires ici, que je suis sûre qu'à niveau du pays, il y a déjà aussi cette coordination de travail, ces groupes techniques de travail qui sont ensemble. Je suis convaincue qu'on va réussir à, comme tu dis, et vraiment valoriser ce travail que les agents font à niveau de nos pays. Merci. Merci, Pilar. On va passer maintenant au deuxième bloc du webinaire, donc à Marie de IRC. Peut-être diapo aussi en même temps. Oui, bonjour à tous. Donc, je vous présente, je m'appelle Marie Biotto, je travaille pour IRC comme conseiller technique nutrition au siège. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'expérience d'IRC au Mali dans la mise en place de l'approche ASCCM nutrition. Donc c'est la continuité de ce qu'on a discuté hier. Juste pour un bref résumé de ce qu'on a dit hier, ce qui est mis en place au Mali s'inscrit dans la politique SEC. Donc IRC suit les directives nationales et utilise donc les outils nationaux mis en place dans le cadre de cette politique SEC. Slide. Alors, je vais également plus parler aujourd'hui de avant le Covid, tout ce qui a été mis en place avant le Covid. Et donc, en fin de présentation, il y aura juste un slide sur qu'est-ce qu'on a mis en place pour répondre au Covid. Mais c'est moins centré sur le Covid que comparé à la présentation de la CF avant.
Donc, concernant les outils de formation qui sont utilisés, donc dans la politique SEC recommande 21 jours de formation totale pour les ASC, comprenant tout paquet promotionnel, préventif et curatif. Et parmi ces 21 jours, il y a 3 jours qui sont consacrés à la PCMA, avec différents modules. Tout d'abord, il y a un pré-test, il y a un post-test en fin de formation, et après, il y a différents modules de formation sur les causes, les formes de la nutrition, l'aspect communautaire, tout ce qui est prise en charge masse et MAM. Et il y a également 2 modules supplémentaires sur la stimulation psychocognitive et puis tout ce qui est en lien avec l'eau et l'hygiène et l'assainissement. Ces formations sont réalisées, c'est des formations théoriques, mais il y a quand même des mises en pratique au sein des centres de santé. Et elles sont assurées par un pool de formateurs national. Donc, c'est des gens qui ont été formés au niveau national avec l'appui des équipes cadres de district et puis certains agents de santé et donc les partenaires. Cette formation, elle est suivie par une période aussi de 3 mois de mise à l'essai pour voir comment ça se passe. Donc, pour IRC, pour la prise en charge de la malnutrition, on s'est rendu compte, enfin, les observations sur le terrain ont montré qu'en fait, cette formation, quand même très théorique, elle n'était pas suffisante pour permettre aux ASC de faire une prise en charge de la malnutrition correctement. Notamment, il y avait beaucoup de problèmes dans le remplissage des outils, des fiches de suivi, des rapportages, et puis également de savoir quand est-ce qu'il fallait référer l'enfant avec, en lien avec les signes de danger. Donc, suite à ça, IRC, en accord avec tous les districts, a mis en place des stages pratiques dans les SESCOM pendant une période à peu près de 8 semaines, ouais, sur 2 mois. Où les ASC, donc la prise en charge se fait de manière hebdomadaire au Mali. Donc il y a un jour de prise en charge, l'ASC vient participer à toute la journée de prise en charge et au bout de 8 semaines, il est certifié, enfin plus ou moins, il y a un genre de certification qui dit s'il est apte ou pas à pouvoir commencer la prise en charge dans sa communauté. Slide. Diapo suivant, Sophie. Donc, ce stage de perfectionnement, IRC a ajouté un outil de suivi supplémentaire qui n'existe pas dans la politique SEC, mais qui permet de suivre un petit peu comment ça se passe. On voit la grille ici. Donc, c'est un plan de renforcement qui est encadré par les agents de santé du centre de santé, donc principalement le chargé de nutrition qui fait la prise en charge, mais également le DTC qui est lui le responsable, le superviseur technique de l'ASC. Donc, c'est une approche progressive avec des phases d'observation et des phases de mise en pratique. Et à chaque fin de journée, en fait, il y a un débriefing avec le superviseur, donc l'agent de santé, le DTC, l'IRC, l'ASC, pour voir de ce qui a marché et puis là où il reste encore des améliorations. Et sur base de ça, ce plan peut être adapté et certains ASC peuvent avoir besoin de plus de temps, une période de stage plus longue que les 8 semaines prévues. Voilà, donc slide d'après. Concernant les outils de collecte des données, donc on se base sur ce qui est donné dans la politique SEC, donc c'est les mêmes supports que ceux utilisés dans les centres de santé. Les agences de santé utilisent les mêmes fiches de suivi des bénéficiaires, les mêmes registres, il y a deux registres, un pour les MAM, un pour les MAS, les mêmes styles, les mêmes fiches de référencement, c'est exactement la même chose. Et au niveau des rapportages, ils sont par contre un rapport spécifique qui s'appelle le rapport d'activité, rapport mensuel d'activité, qui est assez long et là qui reprend toutes les activités de l'ASC au niveau curatif, préventif et promotionnel. Et pour la nutrition, donc on voit en rouge un petit peu ce qu'il faut collecter, c'est les données d'admission et les données sorties. Et il y a également tout un rapport de consommation sur tous les médicaments qui consomment l'inventaire de leur stock. Slide suivant. Au niveau de la supervision, comment organiser la supervision des ASC? Donc, il y a 3 types de supervision. La première, donc, c'est les supervisions semestrielles qui sont organisées par le CD, qu'on appelle les supervisions conjointes. Après, il y a les supervisions trimestrielles qui sont normalement du ressort du DTC, qui doit faire ses supervisions. Et lors de ces supervisions, remplir la fiche de supervision nationale qui a été adaptée pour les ASC. C'est plus ou moins la même qu'on utilise dans les centres de santé, c'est le même format.
et avec donc, différentes thèmes sur le dépistage, la prise en charge, surtout axé sur la qualité. Et à la fin, il y a une note et avec des questions, quels sont les points forts et quelles sont les recommandations. Et la dernière type de supervision, c'est plus une supervision mensuelle que l'IRC appuie, qui n'est pas forcément régulière. Donc, IRC, enfin, normalement, BTC, Tchernelus devrait faire un suivi assez régulier des ASC. Et donc, souvent, ben, par manque de moyens financiers pour faire les déplacements, ils ne le font pas. Donc là, IRC appuie avec un forfait mensuel au centre de santé pour que ces supervisions soient réalisées mensuellement. Et en parallèle, l'IRC fait des supervisions très régulières, pour hebdomadaires, pour les sites ASC. Surtout au démarrage, avec les ASC, on commence à faire la prise en charge. Slide suivant. Diapo suivante. Donc, au niveau des indicateurs de suivi, donc là, on a surtout repris les indicateurs que collectent les ASC, pas forcément les indicateurs qu'IRC collecte. Donc, voilà, c'est les indicateurs du protocole national sur les admissions de sortie, les performances, et donc cette gestion des entrants avec les consommations mensuelles. Tout ce qui est en lien avec le gain de poids et la durée moyenne de séjour, ça, ce n'est pas collecté par les ASC. C'est, par contre, IRC récupère les fiches et fait sa propre analyse, notamment dans le cadre du protocole simplifié du pilote opérationnel qui est mis en place à Nara, où on a besoin de ces données pour analyser l'approche. Slide suivant. Donc, les principaux défis qu'on rencontre avec l'utilisation des outils ou des modules de formation pour les ASC, c'est principalement lié à la collecte des données. Parce qu'en fait, au Mali, il n'y a pas eu de simplification des outils pour les ASC. Les ASC ont un niveau DEF avec un diplôme de matrone ou d'aide-soignant. Donc, il y a déjà une capacité à utiliser des outils, à pouvoir rapporter les informations. Mais donc, c'est les mêmes outils qu'ils utilisent dans les centres de santé. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, ça prend énormément de temps pour que les ASC assimilent bien l'utilisation, les remplissent correctement, qu'il n'y ait pas d'erreur. Ça leur prend aussi beaucoup de temps. Donc, ça a été un investissement assez lourd en ressources humaines, en temps, pour former ces agents de santé à les mettre en place. Et probablement, une simplification des outils plus didactiques permettrait une meilleure assimilation. Un autre défi avec la collecte de données, c'est que la plupart des ASC n'utilisent pas ces données. Ils les collectent, mais ils ne font pas d'analyse. Ça ne les aide pas à prendre des décisions. Et souvent, ce qui est observé, ce que les équipes rapportent, c'est qu'en cas d'admission des enfants malnutris, ils ne vont pas forcément en référer au centre de santé. Voilà, il n'y a pas d'analyse de ces données qui se collectent sur le terrain. Les autres défis, c'est surtout lié avec le rapportage. Donc, le rapport mensuel, le RMA, c'est très dense. Pas forcément pour la partie nutrition, mais pour tout le reste des informations. Ça fait plusieurs pages. Et souvent, ces données, elles sont collectées. Il y a pas mal d'erreurs où les données sont incomplètes. Et tout ça, ça prend du temps. Et il y a souvent un retard dans la soumission des données qui doivent transiter par le centre de santé ou le DTC. Doit les enregistrer dans le DHS2 et ensuite ça part au niveau du district qui doit les revérifier et ensuite au niveau de la région. Donc c'est un processus assez long pour valider ces données. Également, un autre défi qu'on a reporté, c'est qu'il n'y a pas de correction de ces rapports des ASC par les DTC. Souvent, il n'y a pas le temps, il n'y a pas de visite spécifique là-dessus. Souvent, ces visites de supervision que les DTC font, c'est vraiment en lien avec la vérification de la qualité de la prise en charge. Est-ce qu'ils font bien le test de l'appétit? Est-ce qu'ils donnent bien le bon dosage? Des choses comme ça, mais pas sur le rapportage. Est-ce que c'est bien collecté, bien rempli? Et souvent, on a des données incohérentes qui sont quand même rentrées dans le DHS2 et qui ne sont pas analysables au final. Donc, il faut noter aussi, dans l'autre sens, que pour un DTC qui a plusieurs ASC à superviser, c'est aussi une charge de travail de rentrer toutes ces données des ASC dans le DHS2. Il va enregistrer pour son centre et puis après pour chacun de ses ASC. Donc, c'est sûr, si on part sur une approche d'étendre et d'avoir plus d'ASC par aire de santé, ben, ça va être également beaucoup plus de travail pour le TTC. Slide suivant. Donc, les recommandations, donc au niveau de la formation, ce qu'on recommande, ce serait de séquencer la formation de base de 21 jours, donc la formation, le paquet complet sec, pour une meilleure assimilation.
Éviter d'avoir voilà, ces semaines tout d'un coup, il y a une perte de concentration et peut-être de le faire un mois en tel module, on revient, on rediscute des problèmes, d'avoir quelque chose de plus étalé sur le temps. Une autre recommandation, c'est d'inclure donc, les stages pratiques dans le curriculum de formation, dans ce qu'on a mis en place sur nos zones d'intervention, de voir quel modèle serait le plus adapté pour les ALC. Une troisième recommandation, ce serait également de renforcer certains modules de formation sur tout ce qui est signes de danger et conduite à tenir en cas de signes de danger. C'est expliqué, mais on pourrait plus le détailler. C'est souvent une inquiétude, souvent des agents de santé. Est-ce que les agents vont savoir référer et quand, à quel moment? Voilà. Au niveau des recommandations concernant la collecte des données et le rapportage, donc on recommande de simplifier les outils, d'avoir quelque chose de plus facile à utiliser et de cibler surtout les informations essentielles qui sont utilisées par tous les niveaux. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a la désagrégation par âge, par sexe, c'est assez lourd à remplir? Est-ce qu'on a besoin de toutes ces infos? Est-ce que c'est réellement analysé, utilisé? Voilà. Est-ce que dans cette simplification, on ne peut pas simplifier aussi au niveau des ASC pour faciliter leur travail? Une autre recommandation, c'est au niveau de la supervision, avoir plus de supervision par les DTC et également les chargés CIS du district pour l'élaboration des RMA, qui soit présent, qui recorrige les erreurs, qui ait plus de suivi. L'équipe également recommandait d'inclure aussi, au Mali, il y a ces réunions mensuelles des agents de santé au niveau du district. Et ce sera également d'inclure les ASC dans ces réunions, pas forcément toutes les réunions, mais qui viennent de quelquefois au niveau du district pour voir à quoi sert cette collecte des données, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les analyse, quels sont les résultats globalement au niveau du district et puis sur leur zone. Et également, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que l'approche innovatoire a été mise en place dans les trois districts. Ça a eu un grand impact sur l'amélioration des compétences des agents de santé, sur la compréhension des chiffres, la prise de décision. Et voilà, une recommandation, ce serait voir si ce paquet SimObserve pourrait être adapté pour des sites ASC pour les aider à mieux comprendre leurs chiffres et comment les utiliser. Slide suivant. Voilà, en lien avec le COVID, ce qui a été mis en place sur les zones d'intervention, c'est que tous les agents de santé ont reçu une orientation d'une journée. Donc, ça a été organisé par les districts avec l'appui d'UNICEF. C'était sur une présentation sur tous les gestes barrières, la PCI, comment utiliser les tableaux flash. Et puis, ça, c'est renforcé également par toutes les supervisions que l'IRC peut faire avec le district sur les zones des ASC. Ensuite, les ASC ont reçu le matériel PPI, masques, gants, les thermo flash, équipe de lavage des mains. Et également aussi des nattes supplémentaires pour assurer de la distanciation sociale pour séparer les mamans. Et concernant les principales adaptations, ça a surtout été en lien avec la mise à disposition d'un stock de sécurité de 3 mois, donc c'est au niveau des médicaments et des intrants. Et également la réorganisation des séances de prise en charge. On va demander, alors ce n'est pas pour tous les sites, mais les sites qui ont beaucoup d'enfants, le plus d'enfants, supérieurs à 10, on leur a demandé de faire plus de jours de prise en charge, faire des jours de prise en charge par VHP spécifique. Et également, donc, il y a tout ce suivi qui est fait à distance, par téléphone avec les ASC qui sont sous la flotte, le système de flotte, comme les agents de santé. Et donc, il y a une communication beaucoup plus régulière avec tout le monde. Voilà, je pense que j'ai fini. Merci Marie. Je pense que on va. Voilà. Ok, bon, on reprend. Moi, je suis Antonio, responsable de l'action contre la faim pour le côté technique nutrition santé. Et moi, j'ai repris le rôle de Sophie comme modérateur. Comme ça, on va continuer avec la suivante présentation de Sophie. Et à la fin de cette présentation, on aura l'opportunité de retourner sur les questions-réponses. Alors Sophie, s'il vous plaît, si tu peux commencer. Merci beaucoup Antonio. Slide, merci. Donc je vais vous présenter un boîte à outils qui a été développé au niveau global suite aux recommandations qui sont sorties pour la décentralisation de prise en charge de la malnutrition aiguë là où possible. Slide.
Donc, cette boîte à outils a été développée notamment avec IRC qui a pris le lead de développement de cette boîte à outils, mais avec le soutien de plusieurs partenaires, UNICEF, Action contre la faim, Concern, Goal, Malaria Consortium et Save the Children. Ce groupe existait déjà parce que tous ces partenaires collaboraient déjà sur des projets de recherche sur la simplification des outils en fait, pour les ASC et aussi la prise en charge au niveau communautaire. Donc, globalement, cette boîte à outils pour le traitement communautaire rassemble des preuves existantes et une expérience opérationnelle pour fournir aux partenaires des recommandations et des considérations clés pour le déploiement de l'approche, ainsi que des conseils sur un protocole de mise en œuvre. Slide. Donc, dans ce toolkit, il y a globalement 4 modules avec une introduction au début. Cette introduction fait la synthèse des recommandations jusqu'à maintenant, comme je viens de dire, c'est basé sur des évidences qui existent déjà. Donc, il y a eu pas mal d'études, non seulement sur la prise en charge au niveau communautaire, mais comment est-ce qu'on peut rendre les outils que les ASC utilisent plus simples. Je pense que ça enchaîne aussi avec l'un des défis que Marie a cité tout à l'heure, sur le fait que des fois, les outils au niveau communautaire sont trop lourds. Ces boîtes à outils prend toutes les évidences qui existent déjà pour faire des recommandations pour la prise en charge dans ce contexte de COVID. Donc, je vais faire un module par module, un petit explication. Slide. Le premier module s'agit de la détection au niveau communautaire et référence au ASC pour traitement. Donc, globalement, on appelle ça le PB famille ou PB mère, une approche qui est déjà assez connue, surtout dans la région d'Afrique de l'Ouest, où il y a beaucoup de partenaires déjà qui sont inscrits pour la formation des familles sur comment prendre le PB afin d'avoir un dépistage précoce et aussi une admission précoce. Et pourquoi ça rentre dans ce module? Donc, tout d'abord, le PB famille comme approche, c'est pour minimiser le contact physique. Donc, le groupe a estimé que cette approche serait très importante pour minimiser ce contact en utilisant le PB. Pour minimiser les risques en fait de contamination. Donc, je pense qu'il y a déjà pas mal d'outils qui existent déjà sur le PB famille, notamment les outils de Alima, de ACF qui sont déjà disponibles. Et en plus, il y a eu des partenaires qui ont quand même développé des outils pour la mise en œuvre dans ce contexte COVID. Donc, deuxièmement, vous allez voir qu'il y a des considérations pour la mise en œuvre dans ce contexte COVID. Comment est-ce qu'on peut mettre à l'échelle le PB famille pour faciliter la détection et le référencement aux ASC. Surtout parce que, en plus, le groupe a estimé que le travail des ASC, comme ils font partie vraiment de la réponse du contexte COVID en termes de santé et nutrition, comment est-ce qu'on peut faciliter le travail en faisant un shift vers les familles, en fait, pour le dépistage. Donc, il y a aussi des considérations pour la mise à l'échelle et la surveillance de PB famille. Donc, ça, en gros, ça fait le premier module. Donc, on considère dans ce contexte que la PB famille est absolument essentielle et c'est pour ça que ça fait partie de ces guidances. Slide. Le deuxième module, là, cet module s'agit du protocole de prise en charge nutritionnelle. Donc, comme vous voyez, l'approche se base sur le PB uniquement, sur une prise en charge simplifiée, comme on l'appelle, et ça s'agit d'une détection, une admission basée sur le PB uniquement, afin de faciliter la prise en charge au niveau communautaire.
Donc, comme Marie a expliqué hier, et les autres panélistes, ils ont expliqué, le posologie se base sur le MUAC. Donc, pour les enfants moins de 115, c'est 2 sachets d'ATPE par jour. Pour les enfants entre 115 et 125, c'est 1 sachet par jour. Et il y a une phase de transition. Si un enfant a été admis moins 115 de 2 semaines, normalement, avant d'aller vers une posologie de 1 sachet par jour. Et en fait, le critère de sortie basé, encore une fois, sur le PP, c'est quand les enfants ils arrivent à une PP supérieure à 125. Donc, ça existe dans le protocole. Encore une fois, la justification pour aller vers une simplification des protocoles nutritionnels de prise en charge, c'est encore une fois à cause des limites en ce moment de supervision. On estime que, si on va aller vers une prise en charge par les agents de santé communautaire, surtout dans ce contexte où la formation, on doit s'adapter, on doit avoir des formations cascades. Comment est-ce qu'on peut rendre en fait le service qu'on offre, surtout pour les agents de santé communautaire, le plus simple que possible? Donc, c'est pour ça que dans cette boîte à outils, on propose cette approche. Ça n'empêche pas qu'au niveau de centre de santé, le portail soit utilisé, mais au niveau des agents de santé communautaire, leur recommandation, c'est vraiment qu'on utilise les critères le plus simple, ce qui est le PP. Il y a aussi, bien sûr, le traitement médical qui suit plus ou moins les protocoles nationaux. Donc, ça, c'est le deuxième module qui explique pas par pas le protocole de prise en charge nutritionnelle. Diapo. Le module 3. Donc, ça, dans ce module-là, on trouve des guides spécifiquement pour les ASC pour le traitement de prise en charge. Donc, le module 2, c'était le protocole, mais ici, c'est des guidances pour les ASC, étape par étape. Comment faire l'admission, le suivi de deuxième visite, le suivi de toutes les visites ultérieures, les visites des ménages, les critères de sortie et notamment les critères de référence. Donc, par exemple, pour les admissions, l'une des premières étapes, c'est bien sûr que l'agent de santé communautaire se met en contact avec la famille, avec la maman ou le soignant. Dans ce contexte de COVID, il y a aussi vraiment beaucoup de réflexions sur comment le ASC peut potentiellement voir s'il y a la présence ou des cas de contact de COVID-19. Encore une fois, l'ASC doit suivre plusieurs étapes en fait, pour rassurer qu'il n'y a pas de signe de danger. Et tout ça en utilisant une approche qui limite en fait le contact physique le plus que possible. Donc, le troisième module est vraiment développé pour aider les ASC étape par étape, comment suivre dans ce contexte-là de COVID une prise en charge qui limite vraiment la contamination le plus que possible. Diapo. Et finalement, le quatrième module, c'est là où on trouve la boîte à outils simplifiée. Donc, ces outils ont été développés, encore une fois, basés sur des expériences précédentes. Tout d'abord, il y a un registre de traitement simplifié. Donc, là-dedans, vous allez trouver un registre pour les enfants MAS, un registre pour les enfants MAM ou un registre combiné, selon les modèles les modèles qui se trouvent au niveau du terrain. Donc, vous allez voir à droite, sur le diapo, il y a une image de ce registre, encore une fois, avec la simplification et la visualisation en tête. Ce registre a été développé pour faciliter beaucoup,
la compréhension de part de l'ASC et aussi le maman. Donc, vous voyez qu'il y a des petites images qui aident en fait l'ASC à faire des posologies, des traitements systématiques, aussi que les mesures MUAC et les sachets, et aussi de voir s'il y a des signes de danger qui est très important. Et ça fait l'objet de beaucoup de discussions en fait pour aller vers le prise en charge par les ASC. Et j'ai vu qu'il y avait même une question posée tout à l'heure qui dit comment est-ce qu'on peut renforcer cette capacité, ces compétences des agents de santé de détecter ces signes de danger et pouvoir référer. Donc ça c'est très important et c'est essentiel que ça fait partie de toutes les formations pour les ASC. Diapo. Donc ici aussi je partage avec vous des images sur des outils. Donc à gauche c'est une calculatrice pour le posologie, le dosage de ATPE. Donc en haut c'est pour les enfants qui sont admis moins de 115 et alors c'est 2 sachets par jour et après c'est les enfants qui sont admis entre 115 et 125. Donc ça encore une fois vous voyez que c'est très visuel, qu'il n'y a plus de table, il n'y a pas de calcul à faire, c'est basé uniquement sur le MUAC et c'est basé c'est très visuel. Et en bas à droite, nous voyons aussi une calculatrice pour les médicaments aussi. Et vous voyez que là, de 0 à 6 mois, bien sûr, on garde l'admission au niveau de l'hôpital. Mais à partir de 6 mois, il y a des recommandations normalement en lien avec des protocoles nationaux pour des médicaments. Diapo. Donc, cette boîte à outils grâce à IRC c'était eux qui a fait le lead de développement de ces outils. Ils ont développé plusieurs vidéos pour accompagner la compréhension d'utilisation de ces outils. Donc, il y a même 5 ou 6 vidéos sur YouTube qui expliquent chaque outil, les forces et faiblesses et les décisions potentielles à prendre pour faciliter en fait la compréhension de comment utiliser. Et en plus, sur le site web qui s'appelle The State of Acute Malnutrition, il y a déjà tous ces outils qui sont en ligne et disponibles. Je dois dire que pour l'instant, ces outils sont disponibles en anglais. Nous sommes en train de travailler avec tous les partenaires pour avoir une traduction en français. Et ces outils sont disponibles pour une utilisation tout de suite et peut-être même ce groupe peut rentrer en contact avec des groupes de coordination au niveau des pays pour voir s'il y a des adaptations éventuelles à faire parce que encore une fois c'est une boîte à outils qui a été développée au niveau global donc peut-être il y a quelques spécificités, particularités des outils ou des adaptations à faire. L'une des choses qu'il faut peut-être réfléchir à développer maintenant, qu'il y a des outils, il y a des guidances, c'est encore une fois, nous sommes en train de réfléchir sur des formations virtuelles, comment est-ce qu'on peut rendre ça vraiment accessible pour les partenaires de mise en œuvre. Donc, diapo, je pense que c'est bon. Je pense que oui, voilà, c'est tout. Merci. OK, merci Marie et merci Sophie pour les deux super présentations. Et en fait, ils sont arrivés pour le moment sans questions et j'aimerais regrouper les questions en 3. D'abord, je vais donner la parole à la docteure Mathilde Diagne, s'il vous plaît, parce que c'est une question que ça revient sur l'adaptation qu'on propose de les protocoles
Elle nous dit, bon, c'est elle-même, si elle peut nous donner la question, ça va être mieux que moi de poser la question. Alors, on doit ouvrir à Mati Diarmuid-Camara la possibilité de poser la question elle-même. C'est ouvert pour Mathilde, docteur. Donc, bonjour à tout le monde et merci beaucoup et félicitations à ACF d'avoir organisé ces deux jours de partage intense par rapport à la prise en charge de la malnutrition aiguë et surtout l'aspect communautaire de la prise en charge. Je pense que c'est extrêmement important et vous dire que le Sénégal actuellement est dans cette dynamique, on est en train de travailler avec nos partenaires, notamment l'UNICEF, ACF et USAID NEMA, pour pouvoir bâtir un protocole qui nous permettra de renvoyer la prise en charge de la malnutrition et du sévère sans complication au niveau communautaire. Mais depuis hier, je me posais la question par rapport à l'administration du plan PNUT. Parce que d'hier et aujourd'hui, vous avez dit que pour un enfant MAS sans complication, vous lui donnez 2 sachets de Plumpinut et pour un enfant MAM, 1 sachet de Plumpinut. C'est vrai que nous, pour le moment, nous n'en sommes pas encore à ce niveau de mettre le Plumpinut aussi bien pour les MAM que pour les MAS. On est en train de travailler avec le PAM et avec l'UNICEF pour rendre disponible le Plumpinut et le Plumpinut. Mais moi, la question que je pose, est-ce que si vous administrez ces intrants en termes de sachets, est-ce que vous n'allez pas sous-estimer la quantité, la ration donc de Plumpinut chez certains enfants et surestimer cette même ration chez d'autres enfants? Alors que nous, dans le protocole qu'on utilise, donc on se base sur le poids pour pouvoir calculer la quantité de Plumpinut qu'on donne aux enfants. Donc, c'est ça ma préoccupation. Peut-être que vous avez eu du recul par rapport à ça et ça me permettrait vraiment de mieux comprendre. Mais je vous dis déjà que le Sénégal, on n'est pas encore dans cette dynamique. On est dans la dynamique de référer le traitement au niveau communautaire de la malnutrition et du sans complication, mais toujours en utilisant le Plumpinut et le Plumpicep ou bien des farines fortifiées. Merci. Merci. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, Dr. Mati. C'est une super question qui aujourd'hui se trouve dans la table de discussion technique. Bien Marie ou bien Sophie, n'importe qui, si vous pouvez donner une réponse, ou aussi Pilar, ça va. Alors, on ouvre le microphone pour Marie et Sophie et on vous écoute. Sophie, tu veux que je commence? Vas-y, Marie. Oui, donc en fait, il y a eu pas mal de recherches sur ces questions de dosage depuis pas mal d'années. Et c'est vrai qu'on se rend compte que pour les enfants MAS, donc ceux qui ont un PUAC inférieur à 11,5, 1000 kilocalories leur suffit. Et pour ceux qui ont un PUAC supérieur à 115, 500 kilocalories leur suffit, ce qui correspond à deux sachets de Plumpinut pour les CAMAS et un sachet pour ceux qui ont les CAMAM avec un UAC supérieur à 115. Donc ça, c'est des recherches, il y a eu pas mal de recherches développées par les partenaires là-dessus. Et puis, il y a aussi des pilotes opérationnels qui sont en cours sur l'utilisation de ces protocoles simplifiés. Et c'est vrai que dans le cas du Covid, c'est une mesure qui avait été recommandée, enfin qui est recommandée au niveau international par le Global Cluster, par l'UNICEF, par GTAM, comme une mesure facile à mettre en place, un dosage simple, les gens reconnaissent tout de suite combien il faut donner, il n'y a plus besoin de prendre le poids de l'enfant, et normalement le dosage correspond aux besoins pour les enfants malnutris. Je ne sais pas si Sophie, tu veux ajouter autre chose? Oui, merci beaucoup Marie pour ça et cette clarification. Et effectivement, je ne vais pas répéter ça, mais je pense que l'un des autres côtés de votre question, Dr. Mathis, c'était aussi en lien avec les enfants qui sont pas admis, parce qu'on sait que le PV uniquement a ses spécificités
et ça ne couvre pas tous les enfants même, effectivement. Et c'est pour ça que l'une des recommandations que nous sommes en train de faire, surtout dans ce contexte COVID, c'est qu'on shift vraiment vers une approche de traitement et prévention, que tout ce qu'on fait pour la malnutrition aiguë, c'est essayer de prévenir et traiter les enfants vulnérables. Et c'est pour ça que nous sommes en train de travailler avec beaucoup de partenaires, notamment le PAM, pour assurer que, par exemple, la protection sociale, ça, c'est très sensible à la nutrition, que les interventions sont liées, qu'il y a un pont en fait entre le traitement et les services de prévention, encore une fois aussi pour des interventions plutôt très locales, gérées par les groupes de femmes ou tous les pays ont des systèmes un peu différents, mais qu'on est très... On essaie le plus que possible de lier à ces interventions pour qu'on puisse, pas rater des enfants qui sont toujours en vulnérabilité, mais aussi en étant, si je peux, peut-être faisable avec le plateforme communautaire pour assurer que en fait ce qu'on propose ça sera bien adopté et compris, parce que il y a aussi à mon avis des questions de qualité qui jouent en fait sur la prise en charge, surtout au niveau communautaire et surtout avec peu de formation, si on propose des approches qui sont trop compliquées. Il y a des questions de qualité des services qui devient très important. S'il y a des mauvaises compréhensions, ça risque d'avoir des impacts sur la qualité de prise en charge. Mais effectivement, oui, je pense que l'un des messages clés qu'on essaie de passer, et surtout dans ce moment, c'est que le traitement et la prévention, ça doit aller main en main, si on dit ça, hand in hand, et que c'est essentiel qu'il y ait une intégration des deux. Merci. Ok, voilà. Alors, aussi, il y a deux questions assez un peu différentes. Une des questions qui s'était posée pendant les deux présentations, c'est et votre point de vue par rapport à la surcharge de travail au niveau des centres de santé. Comment est-ce que vous êtes en train de regarder cette possibilité, sinon c'est une réalité, à cause d'incorporer un autre niveau dans les systèmes de santé? Et comment est-ce que vous avez réagi, ou on est en train de réagir pour regarder ces surcharges de travail, qui on les regarde comme un des défis pour que les structures ou la modalité d'intervention ça pourra marcher. Aussi, c'est ouvert, alors n'importe qui peut commencer à parler. Bonsoir. Je pense que moi, c'est le plus grand défi que je vois dans ce dispositif communautaire est qu'aujourd'hui, tous les programmes convergent vers les CESCOM, les ASC. Il est aussi utile de voir comment nous pouvons amener des outils simplifiés qui peuvent le faciliter. Et pour moi, aujourd'hui, quand la première présentation a passé, ils disent que les rapports ne sont pas analysés ni par l'ASC, peut-être moins au niveau CCRF, moins au niveau de CEPET. Et jusqu'à présent, on est en train de faire les suivis par téléphone à cause du COVID-19. Et je pense que pour moi, personnellement, l'outil DHS2 peut nous offrir l'opportunité de changer pas mal de choses. Ça peut nous permettre aujourd'hui de voir les cibles attendues par. Ça peut nous permettre le respect du protocole. Et ce qui est encore plus important pour moi, parce qu'il n'y a pas de programme sans intrant, ça va nous permettre de gérer convenablement les stocks. Parce que les péremptions, c'est des pertes d'argent, les ruptures, c'est des pertes de malades. Et tout ceci nous peut se faire aujourd'hui si on amène, comme on est en train de faire avec le bloc COVID-19, avoir un bloc prise en charge des cas de malnutrition. À côté de ceci, comme vous savez, les ASC, c'est des
personnel avec un certain niveau qui n'est pas autant élevé, ils ont toujours besoin de ces job aides qui ont été présentés en anglais. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour appeler, pour quand même diminuer la charge de travail. Et surtout, on peut faire tous les rapports aujourd'hui de manière électronique. Et du coup, les données saisies vont aller directement dans les rapports. Et on peut tirer les rapports pour tous les besoins. Et surtout, on va améliorer la capacité avec les checklists au niveau de l'AEC de voir sa performance. Et ça peut le motiver et ça peut lui permettre d'aller être peu. Parce que pour moi, en plus de la motivation interne qui est aujourd'hui le problème des salaires, des maintiens, des traitements et tous les avantages qu'on doit avoir en travaillant, aujourd'hui, l'AEC sera plus apte parce qu'on a vu avec les algorithmes de prise en charge des ISC, les personnels au plus bas niveau sont plus aptes à changer parce que c'est des algorithmes que peut-être les professeurs agrégés de high level. Voici ce qui est pour moi aujourd'hui. On a une opportunité de traduire tous ces papyrus en lecture électronique en vue que nous puissions diminuer la charge de travail. Mais surtout, on va être efficace et efficient, surtout dans le cas de promptitude et de la complétude. Voici pour moi, quand même au niveau de mon pays, et vu l'espérance de tout ce qu'on vient de voir avec le COVID, je pense qu'il est aussi utile de penser à cette démarche pour la nutrition, qui peut être une innovation majeure, mais il faut qu'on l'accompagne. Voici ce que moi, je trouve quand même de toutes ces présentations aujourd'hui qui peut nous permettre d'aller un peu plus en avant. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, merci beaucoup. Toujours tellement pertinente. Parce qu'en fait, ça revient sur une de les suggestions, de les défis de ne pas doubler les systèmes et de bien les intégrer dans les systèmes que déjà il y a. Dans certains pays, il y a différents, mais il y a un système. Alors, comme ça, cette activité doit être intégrée dans les activités que déjà sont en train de se faire pour regarder une de les défis de ne pas arriver à mettre en place un système vertical qui double le travail, qui fait une surcharge, c'est impossible de les faire. Voilà. Alors, il y a une dernière question avant de continuer. Justement, pour si vous connaissez les niveaux d'acceptation par rapport aux agents de santé communautaire de toute cette nouvelle opportunité de télécommunication, suivi à distance, etc., qui devient un peu une obligation aujourd'hui parce qu'il n'a pas un autre moyen d'arriver à faire des suivis, aussi on a écouté de faire des formations, etc. Mais est-ce que vous avez d'informations ou des connaissances par rapport à cette acceptabilité des utilisateurs, des agents de santé communautaire par rapport à cette nouvelle innovation? Et pour exemple, Sophie? Oui, c'est une excellente question. Merci beaucoup, Antonio. Et je pense que, en fait, comme c'est une obligation maintenant, on doit vraiment assurer que les outils qu'on propose sont tout à fait acceptables et utilisés, en fait, par les agents de santé. Je pense que dans tous les si on passe à ou quand on passe à ces outils de télécommunication, c'est essentiel que nous pouvons aussi évaluer en fait l'utilisation de ces logiciels ou de ces téléphones, parce que ça sera essentiel dans le dans la prise en charge et la mise à l'échelle. Donc pour des expériences concrètes, comme c'est tellement nouveau, on ne peut pas partager des expériences, sauf que, comme Christian a dit, on a l'habitude de travailler avec certains logiciels déjà ou certaines approches, notamment pour UNICEF, le Rapid Pro, qui sont déjà bien intégrés dans certains systèmes. Donc, je pense qu'il y a peut-être des leçons à tirer en fait de ce qu'on a fait déjà avec le suivi par téléphone qui pourrait nous aider en fait dans les réflexions. Mais toutefois, je pense que le feedback des ASC, ça sera très important à intégrer dans toute intervention aussi. OK. Alors, on vous donne à Marie et à Sophie une dernière réflexion, si vous avez besoin d'une dernière réflexion. Marie?
Oui, donc suite à ces deux présentations, le bilan, je pense que ces approches de traitement par les ASC, la prise en charge de la malnutrition par les ASC fonctionnent, marchent bien. Enfin, c'est des choses sur lesquelles il va falloir qu'on avance. Et pour ça, il faut aussi s'impliquer la vie des ASC, même si, ça dépendant des contextes, il y a différentes compétences dans chaque pays, mais tout le monde peut être capable de réaliser cette prise en charge si on leur fournit les outils qui sont adaptés à leur capacité. Je pense qu'il faut vraiment essayer de tester des nouvelles approches, de tenter et de voir ce que ça donne. Ok, Sophie. Merci beaucoup. Effectivement, oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que là maintenant aussi, j'ai vu quelques questions sur l'évidence qui existe. Je pense que la base d'évidence est assez conséquente maintenant et on peut bâtir sur ça pour assurer que les interventions qu'on propose, les innovations qu'on propose, surtout dans ce contexte, sont conceptualisés, sont faits basés sur les expériences qui existent déjà et que nous n'ayons pas peur de faire de l'innovation, surtout pour répondre aux urgences qui existent actuellement. Ok, parfait. Bon, les questions qui ne sont pas arrivées à être répondues de manière directe, comme hier on a dit, on va envoyer la réponse par écrit à les personnes qui sont soumises ces questions. Comme ça, je profite que c'est moi qui dois parler pour continuer. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour exprimer cette topic, que c'est l'échange sur les cadres de coordination et d'accompagnement des partenaires. Parce qu'en fait, on va vous présenter un peu la logique, mais des fois, la logique, ce n'est pas vraiment la chose qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on a ciblé cette dernière partie dans la présentation pour arriver à présenter comment est-ce que nous, on est en train de regarder ce management, ce cadre de coordination et d'accompagnement des partenaires qu'on est en train de le faire, ou on aimera en train de le faire. Merci. Les suivants. Voilà. Une fois que déjà on a pas mal d'évidence qui dit qu'on ne peut pas aller en derrière, on doit aller en avance par rapport à l'implication de les agents de santé communautaire et de la communauté dans la prise en charge de la malnutrition aiguë sans complication, on comprend qu'on doit aller, mais on doit aller d'une manière coordonnée, bien sûr, et dans cet management, dans cette mise en place, il y a les rôles bien définis. Ce n'est pas que nous, on ne connaît pas les rôles de chacun de nous, on connaît chacun de nous notre rôle. Et bien, vraiment, on donne le rôle qu'il y a les clés dans toute cette modalité à le ministère de la Santé. Parce que c'est lui le responsable de la santé de la population et comme ça, de que les choses marchent. Et nous, les partenaires, on est là pour travailler ensemble, toujours. Mais vraiment, on est ensemble dans une situation aujourd'hui un peu de crise humanitaire, parce que comme Sophie nous a présenté le premier jour, c'est pas seulement qu'on va connaître la malnutrition comme d'habitude, avec notre problématique installée déjà pendant beaucoup de temps dans notre contexte, encore ça va ajouter la problématique de la COVID qui va monter l'insécurité alimentaire et les moyens d'existence des populations, et malheureusement il y aura une augmentation claire des taux de malnutrition, sauf si on va mettre en place encore plus de mesures de prévention pour arriver à stopper cette situation. Voilà. Bon, pour ne pas être catastrophiste, on connaît une solution, une alternative, c'est pas l'unique alternative, mais une alternative qu'on pense que ça marche dans ce contexte de COVID. Alors, suivant, s'il vous plaît. Alors, on regarde dans cette stratégie de cadre de coordination, accompagnement des partenaires, quatre niveaux. Le niveau global, région, pays et communauté. C'est ça la logique. C'est ça. Mais la logique, des fois, ce n'est pas global, région, pays, ça doit être communauté, pays, région, global. Parce qu'en fait, cette approche est une approche communautaire. Comme tout, chacun de nous qui on est dans ces listes, j'ai révisé, je connais pas mal de personnes qui sont dans ces listes, ils sont des personnes de terrain. Et on connaît que les choses, des fois, non, la plupart des fois, les problèmes et aussi les solutions, ça sort de la communauté. Comme ça, cette stratégie de cadre de coordination doit
arriver à sortir de la communauté versus les pays, versus régions et versus global. On continue, s'il vous plaît. Alors, il y a un différent rôle, comme on a dit, et un différent travail à jouer, les différentes parties, les niveaux global, pays, régions, et toujours, comme on a dit, de regarder, de pousser la communauté que les autres machines commencent à travailler pour leurs besoins et pour leurs problématiques. Non? De cibler à plus d'enfants, parce que la couverture aujourd'hui, on connaît que c'est vraiment une des grandes faiblesses de toutes notre intervention. On continue. Et comme ça, à niveau général, on parle de, quand on parle de coordination, on parle de différents partenaires, non? Différents groupes de travail. On progresse et on fait toujours des groupes de travail. On fait des alliances, alliances nouveaux, parce que c'est vrai que, en fait, ce n'est pas nouvelle l'approche, mais dans quelques pays, on revient sur qu'on a besoin d'une alliance nouveau pour mettre en place cette stratégie. Toujours, vraiment, la gouvernance c'est bien placée à niveau des ministères et à niveau des différents niveaux de ces ministères dans la décentralisation des différents pays. Bien sûr, les Nations Unies jouent un rôle tellement important de coordination, de soutien, de support, etc. Les corps diplomatiques aussi, vraiment, les volets plaidoyers qu'on doit mettre en place pour cette approche doivent arriver jusqu'à les corps diplomatiques, pas seulement pour arriver plus de financement, aussi plus de visibilité dans la communauté et que, comme ça, tout le monde connaître que c'est une réalité aujourd'hui. Le secteur privé aussi doit être impliqué et déjà, ça a été impliqué dans certains projets. Et pas seulement dans la mise en place, aussi dans la recherche, ils sont vraiment impliqués dans ces solutions. Pourquoi pas? Bon, c'est obligatoire de parler de la société civile. Vraiment, l'institut de la société civile, c'est une des partenaires clés, tellement clairs, parce que ça, c'est une solution qui sort de la communauté et qui a été demandée par la communauté. Comme hier, on a parlé beaucoup des pilotes, on a parlé aujourd'hui des recherches et des évidences scientifiques qui soutiennent le changement de certains protocoles ou d'arriver à mettre en place une solution exceptionnelle dans une situation exceptionnelle, comme aujourd'hui nous avons avec le COVID. Les centres de recherche et les partenariats avec différents centres de recherche, ça devient obligatoire aussi pour arriver la connaissance à un niveau d'excellence et pouvoir arriver avec ces connaissances en train de changer ou améliorer ce qu'on est en train de faire. Bien sûr, aussi, il y a un autre stakeholder, un autre partenaire clé, que c'est les moyens de communication, la diffusion de tout ce qu'on est en train de faire, c'est tellement important. Et aussi, arriver à mettre la parole de les agents de santé communautaire dans tous les différents niveaux. Je me souviens l'année passée, avec le ministère de Mali, qu'on arrivait même à le niveau des Nations Unies, à la réunion que tous les années ils sont en train de se faire à Washington, avec la parole des ministres de santé du Mali, pour arriver à mettre dans cette discussion la parole de l'agent de santé communautaire dans cette stratégie. Voilà, alors on passe à la suivante. Si on parle de niveau global, je me permettre d'identifier quatre actions clés qu'on est en train de se faire aujourd'hui et qu'il y a des actions qu'on aimera de pousser encore plus. On pousse pour mettre en place un groupe de travail technique. Comme Sophie l'a présenté, ce tool, il a été fait avec un groupe de personnes pendant pas mal de temps, avec pas mal d'efforts, de connaissances, de discussions, etc. et de partage avec les différents pays pour arriver à trouver ce tool. Il se trouve dans un groupe de travail spécifique. Aussi, mettre en place un cadre harmonisé de suivi parce que pour arriver à mettre en place une modalité nouvelle, comme on est en train de faire, ça nous demande de faire bien les suivis pour arriver à changer ou à avoir un bon mécanisme de leçons apprises pour les mettre en place, pas à la fin, pendant le déroulement de les activités. Une unité de formation, vous avez vu qu'une des grandes parties de la mise en place est une formation des agents de santé communautaire et pas seulement des agents de santé communautaire. Peut-être que c'est une opportunité pour faire tout un recyclage des agents, des personnels de santé et aussi de manière spécifique pour les centres de santé. Et finalement, une unité de recherche et uptake de la recherche parce que ça devient, comme vous avez vu, un pilier essentiel dans cette action. Suivant, s'il vous plaît.
au niveau de la région, ça, ça devient un lieu d'excellence pour pousser toute la question prioritaire de la stratégie de la mise en échelle pour l'intégration de l'ICSM+. On parle d'ICSM+, quand on parle de l'ICSM+, le traitement de la malnutrition à vue sévère sans complication dans la communautaire. Et de cette approche, on doit être visible et on doit faire des discussions dans les tables de discussion techniques à niveau région. Aujourd'hui, déjà, c'est une réalité. Aujourd'hui, on est en train de faire ce webinar à cause de cette initiative régionale. Et aussi, vraiment, faire des analyses et des suivis d'évaluation de ce qu'on est en train de faire. Suivant, s'il vous plaît. À niveau des pays, c'est là la clé, c'est pour ça que j'ai trouvé une image, vraiment c'est la clé de toute cette initiative ou action. Et aujourd'hui, vraiment, on aimera trouver dans tous les pays une table de discussion technique, libérée bien sûr pour le ministère de la Santé. Comme ça, tous les autres partenaires, nous, on sera dans cette table en train de travailler ensemble pour voilà, regarder une stratégie pays spécifique pour les ICSM+, pour avoir un point focal ICSM dans les pays qui pourra vraiment accompagner les ministères et les autres partenaires pour la mise en place de cette réalité. Et finalement, une action qui doit être trouvée dans la stratégie pays pour la mise en place des projets et la mise en échelle. Comme Pilar il a dit aux premières présentations, les pays doivent cibler où doit se faire ça, parce qu'ils doivent cibler si c'est une solution pour les problèmes qu'il y a. Des fois, c'est ça la première question. Est-ce que je dois mettre en place ça dans quelques lieux? Est-ce que je peux faire ça? Ça, c'est deux questions que ça ressemble facile, mais sont vraiment difficiles à les résoudre. Voilà. Suivant, s'il vous plaît. Et finalement, au niveau de la communauté, on a parlé pas mal de temps dans les deux jours d'une grande problématique pour un grand défi, que c'est l'aspect de l'intégration de l'agent de santé communautaire dans les systèmes et de leur reconnaissance par la communauté. Au niveau de Mali, on vient de bien présenter ces problématiques et comment est-ce qu'ils sont en train de réagir. Hier, on a présenté certaines expériences au niveau de la Mauritanie. Niger aussi, il y a certaines expériences. Ça veut dire qu'il y a dans chaque pays une manière de reconnaissance de la communauté et de réintégration dans le système, parce que chaque pays a son manière de gérer son système. Bien sûr qu'il doit avoir un niveau aussi communautaire un lieu de débat à niveau social, pour que toute la communauté doit comprendre et bien comprendre pourquoi on est en train de faire ça, et il doit bien comprendre ce qu'est la solution qu'on est en train de poser et de mettre en place. Et finalement, comme on a vu, on ne peut pas donner des formations sans suivi et sans accompagnement. On ne peut pas donner des formations et oublier à l'agent de santé là, au dernier lieu de notre pays, sans un accompagnement, parce que vraiment ça va le décourager, il ne pourra pas faire bien son travail finalement, ce ne doit pas être une solution à notre problème, peut-être c'est un autre problème ajouté à les problèmes que nous avons aujourd'hui. Voilà, ça c'est un peu mon petite présentation et par rapport à ces quatre niveaux de le management, de la coordination et accompagnement des partenaires. Et voilà, on est ouverte à des questions, des suggestions, etc. Merci beaucoup, Antonio, pour cette présentation très importante, en fait, qui reflète beaucoup des discussions qui sont venues pendant les deux jours, les deux sessions de travail. On va peut-être inviter une autre participante, s'ils sont intéressés, à lever la main si quelqu'un veut interagir ou faire un commentaire sur cette approche de la nécessité de la coordination et s'il y a des expériences au niveau des pays ou des questions à poser au panel. Si on peut avoir quelqu'un qui serait intéressé de partager les expériences, qui n'a peut-être pas interagi jusqu'à maintenant.
sinon, je vois la main de Djibril. Vas-y, allez-y, Djibril. Merci encore une fois. Mais je pense que, comme vous le voyez, le vrai défi de la coordination, c'est surtout au niveau communautaire. Vraiment, c'est peut-être dans nos pays. Mais aujourd'hui, on a un certain nombre d'expériences qui ont pu faire avancer cette discussion. Il y a eu les groupes secs qui ont vraiment donné du poids jusqu'à ce qu'on a pu faire une politique. Il y a les clusters, les GTN Nutrition qui ont vraiment travaillé dur pour une reconnaissance des palmes d'expérience et de faire valider cette approche ICM. Mais le vrai défi, c'est au niveau communautaire. Parce qu'aujourd'hui, ces acteurs qui sont au quotidien avec cette communauté, leur reconnaissance dépendra de la valeur que nous allons les apporter. Je vais être plus précis. Si demain, ce travail peut être valorisé par nos soins et qu'il puisse se dire que ça apporte un plus, mais chaque fois quand nous allons le considérer comme des éléments de la communauté, ils sont là, bon, ils doivent faire le travail de leur communauté, c'est ce qui est. Pour moi, il est très important aujourd'hui que même le travail des ASC soit intégré dans les PDSEC en tant que tel pour dès maintenant négocier avec les budgets communaux, des communes, leur traitement, leur avantage et leur. Parce qu'aujourd'hui, le défi, c'est de comment nous allons intégrer cet élément dans le budget national. Mais seules les communes peuvent pousser le gouvernement, les politiques, pour que nous puissions avoir les meilleurs résultats. Le deuxième élément, c'est surtout le renforcement de leurs capacités à élargir leur domaine de compétences, parce qu'ils peuvent s'adresser à des multitudes de comportements qui sont spécifiques à la nutrition, sensibles à la nutrition. Et de ce fait, nous allons voir qu'il sera plus efficient de payer ces gens-là avec un traitement raisonnable qui puisse les permettre de faire leur travail de manière quotidienne. Et la troisième dimension, il faut qu'ils participent à la prise de décision au niveau de ces communes. Que nous puissions négocier dans les réunions communaux des journées pour les ICM. Et de ce fait, une fois qu'on a des éléments pareils, qui doivent partir du bas vers le haut, je pense que nous aurons plus d'impact sur les politiques, sur les programmes, en vue de changer fondamentalement ce processus. Voici quelques éléments que moi je trouve, parce que le vrai défi, c'est au niveau de concentrer, parce que les cadres, on ne les appelle pas. Même les réunions de CESCOM, ils ne sont pas conviés. Au même titre, alors que tant que les personnels qualifiés vont continuer à regarder ces agents comme des agents subalternes, s'ils les regardent comme des égaux à eux-mêmes, comme des contributeurs à eux-mêmes, et ce changement de paradigme, c'est les partenaires, l'État et tout le système de santé qui peut leur donner cette valeur. Et moi, je trouve qu'on doit commencer par les CESCOM, on doit commencer par les ASACO, on doit commencer par les plateformes multi-acteurs, multi-sectorielles dans la nutrition au niveau communal, au niveau cercle et au niveau régional. Et quand on verra les décisions du CROCSAD avec des thèmes d'ASC, je suis sûr que le gouverneur même a regardé les rapports, saura que c'est des agents contributifs très importants qui peuvent lui permettre d'inverser les tendances du système de santé en partant par la malnutrition. Voici ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, Djibril, pour cette intervention très pertinente. On va donner la parole à Condé qui voulait intervenir, et après on va aller vers la clôture. À vous, c'est cool. C'est cool, vous êtes en mute. Oui. Voilà. Je me fais entendre? Oui. Voilà, je dis bien que je suis Dr Sékou Condé, le chef de mission à Lima en Mauritanie. Et c'est un sujet qui est très intéressant et je voulais juste appuyer un peu ce que Djibril vient de dire en termes de défis au niveau communautaire. Ce que nous discutons aujourd'hui, c'est
l'intégration de la prise en charge de la malnutrition au niveau communautaire. Mais ce qui est important et évident à savoir, c'est qu'il y a pas mal de pays qui font la promotion déjà de ICCM au niveau communautaire par les agents de santé dans beaucoup d'autres domaines, tels que la prise en charge du palu, des IRA, des diarrhées. Et dans ces pays où on a tendance maintenant à ajouter la prise en charge de la malnutrition, je ne sais pas comment tout ça s'articule au niveau de la communauté et comment ça se coordonne, parce qu'il y a une tendance à outrance de la professionnalisation de ces agents dans les faits, mais malheureusement, la considération en termes de motivation, de reconnaissance ne suivent pas directement. Donc, pour ceux qui ont de l'expérience dans ce genre de choses, comment ils font pour réussir l'intégration de la prise en charge de la malnutrition dans un contexte où ICCM existe déjà pour d'autres pathologies, et comment ils font pour assurer l'intégration, la considération de toutes ces informations dans les données du système de santé à l'échelle locale et remonter ça jusqu'au niveau de l'échelle nationale. C'est un peu ça les grands défis auxquels on va être confronté, parce que la sectarisation de ICCM par thématique risque de désintégrer ce que je considère déjà comme acquis de prise en charge des maladies top morbides au niveau communautaire, y compris la malnutrition. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Kandé, pour cette réflexion. Effectivement, c'est très important d'avoir une intégration totale des approches, surtout quand nous parlons à tous les niveaux, mais surtout au niveau communautaire, où c'est vraiment pas une option, c'est absolument essentiel. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé cette réflexion qui est très importante. Nous allons commencer maintenant à clôturer. Je vais tout d'abord demander à Antonio s'il y a des dernières réflexions suite aux contributions des participants. Non, aucune autre chose à ajouter. J'attends aussi la clôture parce que ça va être intéressant. Merci. Merci beaucoup, Antonio. Donc, je vais passer à Dolores de l'équipe régionale de nutrition et après à Mamadou Diop en finale pour clôturer le représentant de ACF au niveau régional. Mais juste pour partager quelques prochaines étapes de façon très concrète, on va partager bien sûr les présentations. On va aussi bien sûr partager ces deux webinaires. Ils ont été enregistrés, donc on va vous partager les liens. Il y a eu aussi beaucoup de questions. On a pu répondre à certaines questions. Aux autres, non. Je vois qu'il y a certaines questions qui sont très spécifiques sur, par exemple, les risques de danger, le référencement au centre de santé, à quel moment. Donc, c'est une conversation qu'on aimerait vraiment continuer. Nous allons consolider toutes les questions jusqu'à maintenant et nous allons partager avec vous des réponses. Il y a aussi au niveau régional, au niveau de Dakar, un groupe de travail spécifiquement sur la malnutrition aiguë. Qui est disponible aussi pour des questions. S'il y a besoin aussi de plus de réflexion ou ce genre de réflexion au niveau de certains pays spécifiquement, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi et on peut essayer de voir dans quelle mesure on peut organiser des séances plus spécifiques pour certains pays ou pour certains contextes. Ou s'il y a encore des questions, une autre séance d'ici quelques semaines pour aider vraiment avec l'opérationnalisation et la mise en œuvre de ces approches. Je passe maintenant à Dolores, si tu veux partager quelques mots. Oui. Alors, merci. Très rapidement, pour fermer notre
Pour clôturer notre réunion, enfin notre webinaire de deux jours, déjà un grand merci pour votre participation active, fortement appréciée. Pour le coup, j'ai beaucoup apprécié aujourd'hui qu'on ait pu parler même directement. Et merci aux panélistes pour ces présentations tellement riches, ces échanges. Moi, mon mot de clôture, eh bien, il est relativement simple. C'est, je pense, un moment important. Malheureusement, on fait face à une urgence, le contexte de Covid, mais en même temps, je pense qu'on a pris aussi ce moment pour rebondir sur des opportunités comme celle-ci de renforcer notre plateforme communautaire qui est importante, qui est un peu la pièce manquante pour pouvoir aller à l'échelle. Merci Djibril pour toutes tes interventions et renforcer le message. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de travail même dans la coordination, mais je pense qu'on fait de grands pas, on fait, en tous les cas on fait des pas certains et on les fait ensemble. Alors moi je trouve que c'est vraiment encourageant. Il y a notamment des bailleurs aussi qui sont intéressés par ces conversations et pour pousser l'agenda, donc des opportunités qui vont, je pense, se mettre à nous pour continuer ce travail. Donc les deux jours, la première journée avec des échanges, des expériences, des stratégies et aujourd'hui les outils, vraiment nous montrent que c'est possible. Comme je disais, avec des défis, mais c'est possible de décentraliser, de simplifier, de traiter et que ces activités auront un impact et sont aussi un levier pour d'autres impacts, d'autres points d'entrée qui peuvent aller au-delà du traitement, bien sûr pour la nutrition, mais même au-delà de la nutrition. Donc vraiment, moi j'encourage tout le monde à continuer ce dialogue ensemble, avec nos partenaires, avec les gouvernements, avec nos bailleurs et de rester ensemble. Mais comme le disait Sophie, je voulais aussi rappeler que oui, s'il y a des questions, des partages au bureau régional, ce groupe que Sophie a mentionné sera ravi de les recevoir et on est là pour aussi avancer avec vous et vous accompagner et continuer ce travail de coordination. Voilà, merci beaucoup et bonne continuation à tous. Merci Dolores, donc à Mamadou pour les derniers mots. Merci. Merci Sophie, merci Dolores. En tout cas, je vais emboîter le pas de Dolores pour remercier tous les participants et surtout leur implication. Je pense que les échanges ont été très intéressants et surtout, j'imagine que nous allons à partir de là renforcer les points d'amélioration, voir comment nous allons travailler, mettre en commun nos efforts pour avoir un meilleur impact. C'est ce qui est en train d'être, comme certains l'ont dit, hein, d'être une petite révolution dans le monde de la prise en charge. Un remerciement particulier aussi au ministère de la Santé. Je pense qu'il y a quand même lieu de montrer aussi cet ancrage-là ou ce buy-in des ministères qui reste une étape primordiale pour arriver à atteindre nos objectifs. Merci à UNICEF, au PAM, à l'IMA, à IRC pour leur partage d'expérience et à l'ensemble de toutes les organisations qui ont participé au webinaire. J'aimerais peut-être juste un petit mot, comme à l'introduction j'ai été super bref parce que super pressé d'entrer dans le vif du sujet. Nous avons noté beaucoup d'avancées et des succès ont été réalisés dans la mise en œuvre de l'approche SICM, il faut le reconnaître, surtout en intégrant la prise en charge de la masse avec des acteurs et partenaires clés qui sont engagés pour accompagner les phases pilotes et les phases mises à l'échelle. Et parmi ces partenaires-là, on peut citer les gouvernements qui sont appropriés les pilotes de cette nouvelle stratégie et qui sont de plus en plus intéressés. Donc, on a plus d'engouement dans nos zones d'intervention des gouvernements, de la part des gouvernements. Nous avons les chercheurs locaux qui appuient l'adaptation des actions, de l'approche et surtout du transfert de l'approche ou de la contextualisation de l'approche au niveau des zones d'intervention. Et ça aussi, c'est à saluer.
Nous avons des outils efficaces et adaptés qui existent et sont disponibles pour faciliter la mise en œuvre de l'approche et son adaptation pour chaque type de contexte, encore une fois. Et nous avons des donateurs courageux, comme disait Dolores tout à l'heure, il y a beaucoup plus, de plus en plus d'engouement. Donc, des donateurs qui sont de plus en plus intéressés par l'approche et qui prennent l'initiative d'accompagner ces recherches et la mise à l'échelle, justement, au niveau du terrain. Donc, face à l'efficacité et l'efficience de cette approche, d'autres pays de la région ont commencé à montrer leur intérêt, donc notamment RCA, Cameroun, et alors, on espère en avoir d'autres aussi pour pouvoir avancer avancer surtout sur la contextualisation. Et il faut noter que lorsque les moyens sont limités, il est nécessaire de trouver et d'accompagner des solutions d'adaptation. Je dirais que l'ICCM en est une et il est important de le développer pour nous permettre d'aller plus vite dans l'atteinte de nos objectifs de lutte contre la malnutrition. On l'a vu, hein, on essaie depuis plusieurs années à mettre en place des solutions adaptées ou à réduire ou à renverser la tendance de la courbe. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que la fin n'attend pas. Et justement, par rapport à ça, nous avons vu, et je l'ai entendu tout à l'heure et même hier, qu'il y a beaucoup de défis structurels et conjoncturels qui persistent pour mieux renforcer cette approche et contribuer à l'atteinte de la couverture de santé universelle. Et parmi ces défis, il y a la fragilité des systèmes de santé, nous avons l'insuffisance des financements disponibles pour la santé, expliquant le plus souvent les difficultés liées à un système de motivation, de rémunération pérenne pour les ASC. On a vu beaucoup de questions autour de ça. Il y a l'insuffisance du nombre d'ASC aussi, qui ont le profil approprié au niveau des pays, ainsi que leur répartition inéquitable pour assurer une bonne couverture. Nous avons aussi vu la fragilité encore persistante des systèmes de gouvernance en termes d'intégration de la prise en charge de la masse dans les protocoles de prise en charge de la malnutrition et aussi l'intégration effective des ASC dans les systèmes de santé. Là aussi, c'est un gros point d'interrogation. Nous avons vu la faiblesse du système d'approvisionnement en intrants entraînant quelques insuffisances dans les disponibilités des stocks. Ça, je pense que c'est le gros sujet de tous les jours, pour ne pas dire c'est notre disque rayé, je pense. Et à ces défis, j'ajoute les contextes humanitaires très fragiles dans certaines zones entraînant une certaine insécurité au niveau des communautés, par exemple dans les zones de conflit, les crises sanitaires de plus en plus fréquentes. Nous parlons aujourd'hui de la pandémie COVID-19, mais depuis plusieurs années, nos zones d'intervention font face à des crises sanitaires récurrentes, des épidémies récurrentes, et ça ne joue pas à la faveur d'un système ou du renforcement des systèmes de santé, parce que justement cela contribue à leur fragilisation. Tous ces facteurs nécessitent une certaine réactivité et adaptation de l'approche dans ces différents contextes, afin de continuer à délivrer les services de santé de qualité, sûrs et avec une bonne couverture. Partant de là, deux messages pour moi essentiels à mettre en évidence, c'est déjà le fait de nous réunir pendant ces deux jours, de discuter ensemble de sujets spécifiques et de trouver ensemble des solutions clés. Je pense que là, il faut le saluer, c'est de renforcer la coordination entre les différents acteurs. Je ne vais pas les citer au risque d'en oublier un et de me tromper, mais pour moi, tous les acteurs humanitaires, tous ceux qui sont engagés dans la lutte, les gouvernements, les systèmes de santé, les structures sanitaires doivent faire partie de ce combat et pour travailler ensemble avec une certaine, on va dire, complémentarité et surtout mettre en évidence une approche multisectorielle au sein de toutes les parties prenantes pour booster la production d'évidence scientifique et surtout renforcer ou accompagner la mise à l'échelle de cette approche. Ça, c'est un premier message. Le deuxième message, c'est une coordination effective entre les différents acteurs pourra permettre
de travailler sur une feuille de route pour porter de manière concertée les messages clés et les actions de plaidoyer au niveau national, régional et global. C'est important. Parce que nous sommes ensemble dans le même combat. Si nous renforçons davantage nos messages, nos communications vis-à-vis de tous nos partenaires, en l'occurrence les bailleurs de fonds, les gouvernements, tous les acteurs impliqués, je pense que nous pourrons avoir au moins un minimum d'engagement qui va nous permettre de renverser cette courbe-là. Et pour terminer, juste savoir qu'il n'est plus possible de reculer. Un recul n'est plus possible. Il faut qu'ensemble, nous continuions à révolutionner, à rendre plus accessible la prise en charge de la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans. Il faut qu'on y aille sans plus tarder. On y est déjà, mais il faut qu'on redouble d'efforts pour arriver à renverser cette tendance. Merci à tous pour votre participation et continuons la lutte ensemble. À vous. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci, au revoir à tous. Merci, au revoir à tous. Bonne continuation et à bientôt. Merci, merci beaucoup. Merci à tous, bonne soirée. Merci, merci beaucoup Sophie pour toute cette facilitation et Antonio aussi. Merci, au revoir. Merci Sophie, merci Antonio. Ciao à tous et bonne révolution. À plus. Oui. On est ensemble. Voilà, c'est comme ça. C'est ça. Pas de recul. C'est ça. Merci beaucoup. Merci.